and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous tous, bienvenue sur Tocsin ce matin. Merci d'être toujours plus nombreux ici dès le matin, dès le petit matin. Merci aussi d'avoir été très nombreux à relayer notre pétition pour défendre la liberté d'expression. On va en reparler d'ailleurs aujourd'hui de cette liberté d'expression particulièrement en danger en ce moment en France. Évidemment, beaucoup d'autres sujets. Nous allons retrouver nos deux chroniqueurs police-justice. On parlera de l'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien qui est n'a pas été exclu par Emmanuel Macron. On parlera de cette liberté d'expression de Bernard Kouchner et puis de beaucoup d'autres choses. On va donner la parole à Didier Maistre ensuite. On va donner la parole aussi à un exploitant de station de lavage qui se dit auto-sacrifié sur l'autel de l'écologie politique. On en parlera avec lui. Puis enfin, nous recevons François Asselineau, candidat aux élections européennes. On parlera avec lui de la crise des agriculteurs, de l'Ukraine et évidemment des européennes et pourquoi pas d'une liste unie des souverainistes. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre sonneur. C'est l'heure du sonneur. Et ce sonneur, comme vous le savez tous les jeudis, nous sommes très heureux de retrouver nos deux chroniqueurs police, justice. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Et Régis de Castelnau, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Les vacances sont été reposantes ? Pas trop. Je suis quand même très heureuse de vous retrouver tous les deux. Je rappelle que vous êtes auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors peut-être pour commencer, on a beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. Je suis sûre qu'on va déborder. On a même prévu 5 minutes de rap pour déborder. On commence maintenant à décaler progressivement votre rendez-vous. Évidemment, revenir sur la prise de parole d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des hommes de manière dynamique sur le front ukrainien. Je vous repasse cet extrait, puis on commande juste après. Alors, Emmanuel Macron, sur son petit pupitre. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks, jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci » il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient. Alors, il semblerait d'ailleurs que nous soyons un peu isolés, la France par rapport au reste de l'Europe sur cette question, ce qui est intéressant parce qu'on pourrait croire qu'on suit un mouvement général, mais on a vu plutôt des mises en retrait par rapport à cette annonce d'Emmanuel Macron. En revanche, en France, on a quand même une petite armada de soutien, dont Bernard Kouchner, ancien ministre que vous connaissez, qui était sur LCI et qui a affirmé, lui, bien être pour l'envoi des troupes françaises en Ukraine, même s'il a affirmé que c'était aussi difficile de le dire comme ça et difficile d'assurer, enfin de faire des sacrifices. Écoutez, Bernard Kouchner. Oui, je suis favorable à cela. À des Mais comment, je ne sais à pas. À des troupes au sol. À des troupes qui défendraient fermement, oui, les troupes au sol, peut-être à la frontière, mais
montrer que nous sommes prêts à défendre cette démocratie naissante, cette démocratie affirmée, et en temps de guerre, c'est encore plus difficile. Oui, je pense que c'est pas facile à dire, hein, de déclencher la guerre pour son propre pays. C'est pas facile. Ça veut dire que ça va coûter des sacrifices. Voilà, ça va coûter des sacrifices. C'est pas facile à dire, mais malgré tout, il est pour Bernard Kouchner. Alors, Alexandre Langlois, sur cette question. C'est toujours pareil. Il y a plusieurs sujets en un. La première chose, c'est qu'on voit, c'est des personnes qui disent qu'il faut aller faire la guerre, mais c'est surtout pas eux qui vont y aller. Hein, s'ils veulent y aller, ils peuvent y aller tout de suite, ils peuvent s'engager, ils y vont, on y va. Bon, bah, on les laisse, on les applaudira très fort, puis on sera content qu'ils aillent là-bas, mais sans nous. C'est vrai qu'il y en a certains, on serait particulièrement content qu'ils aillent là-bas d'ailleurs, mais bon. Voilà, parce que par exemple, on a un petit chef de guerre qui est tout content, qu'on rappelle qu'il se déguise régulièrement en sous-marinier, en Top Gun, en tout ce qu'il veut, mais qui n'a pas fait son service militaire. Alors qu'à l'époque où il était en âge de le faire, il l'a pas fait. Voilà. Donc, une fois de plus, ça montre quelque chose de fait ce que je dis parce que je fais. Et l'autre chose derrière, c'est que, bon, comme tu l'as souligné, c'est qu'on est un petit peu isolé, c'est que Macron cause tout seul. Et on pourrait se poser la question que juste après la séquence du Salon de l'agriculture, c'est pas peut-être qu'ils utilisent ça pour faire peur aux Français. Parce que la peur permet de manipuler l'opinion, la peur permet de faire des choses de ce qu'on veut faire, parce qu'il sait que tout seul, il n'a aucune chance, malheureusement, contre la Russie. Et à part si on veut raser l'Europe de la carte, c'est-à-dire que tout le monde a des armes nucléaires, donc ce ne serait pas la meilleure idée. Et donc voilà, donc on a quelqu'un qui est complètement déstabilisé sur le plan intérieur, qui cherche, comme souvent, un ennemi du coup extérieur. On va déclarer la guerre, on va faire peur aux gens, parce qu'effectivement, c'est pas comme si on faisait une petite guerre dans un endroit contre un pays qui n'a pas les moyens de nous résister. Donc on a trois étapes. Quelqu'un qui dit qu'il faut aller faire la guerre, il a des soutiens qui disent d'aller faire la guerre, mais tous ces gens-là n'iront jamais se battre. Troisièmement, un chef qui n'a jamais fait son service militaire alors que c'était encore obligatoire. Et puis, bah, du coup, cette situation intérieure qu'il veut étouffer en faisant la peur qu'il a toujours utilisée de diverses façons. Et troisième et quatrième point, pourquoi ? Parce que derrière cette peur, il y a le contrôle de la population. On rappelle qu'il a mis en place des lois pour réquisitionner les personnes, les entreprises et tout ce qu'il veut. Loi de programmation militaire, oui, qui est très inquiétante, on l'a bien décrypté hier. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, moi, je reviens juste. Les gens pourront regarder l'émission pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, ce qui veut dire que derrière, il prévoit de faire du totalitarisme. C'est-à-dire qu'il va tout contrôler, tout faire lui-même, tout gérer tout seul. Et c'est ce qui se passe de plus en plus aussi dans cette histoire, c'est qu'il gère tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui devraient passer par le Parlement, il n'y a rien qui se passe. Alors, toutes les oppositions disent c'est un scandale, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, ben, une fois qu'ils l'ont dit, ils ne font rien. C'est le problème de toutes ces oppositions, c'est que c'est de l'apparat, mais derrière, il n'y a aucune action. Mais il s'octroie des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'il est en train de tout transformer pour transformer le pays en disant « je vais être le chef de guerre, je vais tout diriger, je vais tous vous contrôler ». Et puis en fait, on a l'impression d'avoir été dirigé par un enfant de 5 ans et qui a prise du prince. Donc c'est très dangereux parce que du coup, quand on est dirigé par quelqu'un qui ne semble pas stable, il peut vraiment faire n'importe quoi. Vous voulez dire que celui qui n'est pas stable entre les deux, ce serait plus Emmanuel Macron que Vladimir Poutine ? C'est quand même l'accusation qu'on porte à Vladimir Poutine tous les jours, de dire attention, psychopathe, cancer du cerveau, etc. Il n'est pas stable, il peut déclencher une guerre mondiale à n'importe quel moment. Et finalement, vous vous méfiez peut-être, en tout cas en le connaissant peut-être mieux aussi, peut-être plus de votre propre président. C'est une chose assez... Pour ce qui est de Vladimir Poutine, je peux dire ce qu'il y a dans la presse, donc je n'en sais pas plus, je ne suis pas plus avancé. Par contre, ce qu'il y en est de la France, c'est-à-dire que c'est notre président, c'est lui qui décidera de nous envoyer. Et donc, du coup, effectivement, j'ai beaucoup moins confiance en Emmanuel Macron à l'heure actuelle pour ce qui est des intérêts de la France et des Français, et de pouvoir une déclaration de guerre. La preuve, c'est ce qu'on a, c'est que la seule personne qui parle de déclarer la guerre à un autre pays et qui dit « on va envoyer des troupes, on va faire la guerre », c'est Emmanuel Macron. Parce que même quand il s'appelle Vladimir Poutine, quand il a fait son opération en Ukraine, il n'a pas utilisé le mot guerre, il a dit opération spéciale, il a tout fait pour que, justement, pas passer pour avatar guerre sur la scène internationale. Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas ce problème, et il n'a pas les soutiens d'ailleurs derrière. Par contre, la scène internationale, il dit on se calme, on peut envoyer des armes, on peut faire plein de choses, mais attaquer frontalement la Russie, ce n'est pas possible. Et lui, c'est le seul qui veut un affrontement frontal dans tout le concert des nations aujourd'hui. Ouais. Quelle chance. Alors, Régis de Castelnau. Alors, je vais ajouter quelque chose à ce que Alexandre a dit concernant l'adolescent qui nous sert de président, l'espèce de fake président. C'est que effectivement, il veut déclarer la guerre non pas à la terre entière, mais là cette fois-ci à la première puissance militaire du monde. Excellente idée. C'est que il n'a pas fait son service militaire, certes, mais en plus, il n'a pas d'enfants. Hein ? Parce que quand on dirige un pays, ce sont ses propres enfants.
qu'on va envoyer se faire tuer. Lui, il n'en a pas. Il n'a pas ce problème-là, ce qui montre bien le niveau du personnage. Alors, moi, je pense qu'il est dangereux par justement ce côté adolescent, malheur à la ville dont le prince est un enfant, et il dit n'importe quoi. C'est un désastre diplomatique, ce nouveau, parce qu'il en a une collection à son palmarès, c'est un désastre diplomatique. J'ai fait la liste tout à l'heure de tous les pays européens qui étaient à la conférence, c'est une conférence internationale. Tous ils se sont prononcés officiellement pour dire non. Et quand on écoute ce que vous nous avez passé, Clémence, on constate que pour une réunion internationale de grande ampleur sur une question extrêmement importante, parce que c'est très clair, hein, les États-Unis ne veulent plus et demandent à l'Europe de le faire. Et comme on est des larbins de l'hégémon, on y va. Et il n'a à aucun moment le langage diplomatique des réunions de ce type. À aucun moment, il parle comme s'il était au café du coin, il dit un certain nombre de choses comme ça, mais enfin, voyons. Alors après, bien sûr, il a un entretien avec Vladimir Poutine, il va le publier, il veut aller au BRICS, il appelle à la cantonade en disant quand est-ce qu'on y va, il va voir Netanyahou, BHL lui a dit il faut proposer ceci, et sans prévenir personne, il propose un truc grotesque. Alors je pourrais continuer longtemps, mais enfin, qui est ce type? Bon sang de bonsoir, comment acceptons-nous ça? Alors, sur ceux qui soutiennent, ça c'est très significatif et très intéressant, hein, je vais parler de ma génération, ma chère Clémence, hein, les boomers, les 68ards, non pas en 68, j'étais quand même défavorable au mouvement étudiant et favorable au mouvement ouvrier, mais toujours est-il que on nous ressort Kouchner, il devrait raser les murs, Kouchner. Kouchner, il a un palmarès épouvantable, y compris avec les histoires familiales. Il a couvert le viol de son fils par un de ses amis, enfin voyons. Oui. Et quand il faisait des dîners en ville pour essayer de s'assurer une carrière, j'ai pas cité Duhamel. Oui. Chez lui, c'est dans le livre d'un de ses enfants, et pour que ses enfants ne viennent pas déranger son programme de carrière, il les gavait de somnifères. Pour que les enfants dorment. Non, mais attendez, c'est qui est ce type? Et on le ressort, hein, et M. Rochebain est tout content. Ça, c'est dans le livre de Camille Kouchner, l'histoire des somnifères aussi? Absolument, c'est là. C'est la Familia Grande. Oui, d'une grande famille. Hein. Et il y a également un article, mais lunaire, de Serge Julie. On a ressorti Julie de la naphtaline. C'est la même génération qui vient dire aux armes européens, il faut y aller. Alors, il dit n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est le nihilisme relevé par Emmanuel Todd. On ne comprend plus le réel. On ne comprend plus le réel, on dit le contraire du réel. Bon, donc… juste sur cette question-là, oui. Les Kouchner, les Serge Julie, les BHL, c'est quoi leur intérêt à eux de faire ça? Je comprends qu'ils ne s'intéressent pas aux Français qui vont aller sur le front, ça, on peut comprendre s'ils ne sont pas forcément attachés à la France, aux Français, à leurs enfants, enfin, je ne sais pas. Mais ont-ils un intérêt à prendre ce genre de position complètement guerrière et folle? Ils les ont toujours eus. Ce sont des agents néocons américains. Rappelez-vous de la délégation qui avait été voir Chirac au moment de la guerre en Irak pour dire « il faut y aller ». Avec le Glucksmann père, avec… je crois que BHL n'y était pas, mais Kouchner devait y être. Ce sont des gens qui ont toujours eu cette position. Ils ont commencé maoïstes au service de l'Empire du Milieu et puis après ils sont passés au service de l'Empire américain. Leur intérêt, ils sont divers. Kouchner, c'est pour exister encore un peu, parce qu'il a quand même un peu été obligé d'en rabattre. Julie, c'est parce que ça faisait longtemps que plus personne ne l'écoutait, donc on l'a ressorti pour un petit peu redonner un petit peu de l'éclat passé de Libération, qui a été un journal d'une réussite. Hein, des agents, ils sont peut-être aussi poussés financièrement par des intérêts financiers. Oui, enfin, je ne pense pas qu'ils soient dans le besoin, les deux dont on vient de citer. BHL, c'est autre chose. BHL, c'est autre chose, c'est-à-dire que lui, il est le patron d'un réseau puissant. Articulé avec le lobby israélien, toujours au service des États-Unis, et voilà, quoi, il est commission d'avance sur recettes, monde de l'édition, etc. Donc BHL joue un rôle
politique important. C'est-à-dire qu'il a, c'est une espèce de partie de l'État profond. Quand vous pensez que c'est lui qui est allé voir de l'État profond Macron, américain. Ouais. Macron à l'Élysée, oui, lui, il est au service des États-Unis, des néoconservateurs américains. Il n'est pas un agent stipendié, il est richissime, grâce au bois que son père avait volé à l'Afrique. Mais le problème, lui, c'est que ce sont ses convictions et surtout la mise en scène de son personnage. Oui. C'est surtout ça, mais il est puissant. Il est puissant. Alors, vous pensez qu'il va voir Macron à l'Élysée en lui disant il faudrait que vous proposiez à Netanyahou une coalition anti-Hamas comme la coalition anti-Daesh. Et Netanyahou était stupéfait contre l'autre. Mais rappelez-vous, il avait fait une pièce débile dans laquelle il finissait dans une baignoire. Oui. Sarkozy y a été, Hollande y a été, c'est-à-dire que au moment de... Mais à part ça, il n'y avait pas grand monde, hein, d'ailleurs, à part les stars, personne, on va dire. Oui. C'est comme son film sur l'Ukraine. Mais je vous rappelle quand même qu'il a joué un rôle non négligeable dans la catastrophe libyenne. Oui. Il est celui qui a incité Sarkozy à détruire ce pays avec toutes les conséquences en matière de terrorisme et en matière d'immigration. Enfin, ces gens-là devraient être jugés, d'ailleurs, et immédiatement envoyés à leur place, c'est-à-dire en prison. Donc, oui, on ressort cela, mais ça prouve qu'on n'a plus grand monde. Il y a même un des rats qui quitte le navire. Hier, j'ai vu ça. Alors, tout le monde dit « Oh, mon Dieu, quel homme d'État !» C'est Jean-Pierre Chevènement. Oui. Il a soutenu Macron. Il a fait sa campagne. Il l'a couvert dans la corruption de l'affaire d'Alstom. Alors que c'était sa ville qui était concernée. Il a dit « Mais non, c'est pas grave, on est injuste avec Emmanuel Macron. » 1000 ouvriers d'Alstom au chômage, à cause de la façon dont ça a été dépecé, et M. Chevènement a couvert ça. Alors, il était content, il a été à l'Élysée, on lui a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur, Macron lui a remis, il est tout content. Et hier, il dit, oh non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, à mon avis, il est en train de se placer pour 2027, parce qu'ils n'arrivent jamais à annoncer ces gens-là, je prends le pari, il soutiendra Édouard Philippe, il dira c'est formidable, comme c'est il différent. A dit, ça pour Macron. Bon, ouais, donc dommage, voilà, non, ce qui s'est produit-là est un nouveau désastre parce que l'image de la France, le rôle de la France à l'international, ça fait longtemps que le Sud global rigole et le tient pour un pitre, c'est vraiment ça. Et maintenant, les Européens se disent, mais quand est-ce qu'il va se taire, quoi ? Ah non, oui, c'est horrible. Et même les Américains, finalement. C'est-à-dire qu'on fait tellement de zèle que finalement, les Américains ont fini par les gêner. J'ai l'impression, parce qu'on a eu d'autres émissions, on parlait avec Eric Benessé notamment, qui nous expliquait que les Américains eux-mêmes étaient un peu plutôt sur le frein sur cette question ukrainienne. Ils ont d'autres priorités. Et là, finalement, assez gênés par leur marionnette française. Une dernière phrase, Clémence, sur ce sujet. Quelle magnifique victoire géostratégique. Hier, on me disait, dans une émission, on me disait « Ah, c'est un message envoyé à Poutine ». D'abord, Macron n'envoie des messages qu'à son nombril. Le reste, il ne comprend pas, il ne sait pas le faire. Mais surtout, le message envoyé à Poutine, c'est que tous les Européens et d'une certaine façon, tout l'Occident dit non, on n'enverra pas d'hommes sur le terrain. Vous pouvez être tranquille, monsieur Poutine. Vous pouvez continuer à massacrer les malheureux soldats ukrainiens qu'on vous envoie. Bon, on vous les envoie pour ça, d'ailleurs. On fait une guerre par proxy. Mais nous, on ne viendra pas. Alors ça, c'est vrai que c'est le message envoyé à Poutine, il est drôlement fort. Poutine, il a terriblement peur d'Emmanuel Macron. Terrible. J'imagine. Lui aussi, donc, fait de la tension quand il entend Emmanuel Macron prendre la parole. Alors, justement, ce qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment dans le paysage médiatique français, c'est qu'on entend beaucoup donc, cette guerre en Ukraine, les hommes sur le front. Et comme vous avez tous les deux commencé à le dessiner, il y a autre chose qui se passe en même temps et qui est lié évidemment, c'est cette atteinte à la liberté d'expression et ce contrôle que veut prendre de plus en plus le gouvernement sur nos données personnelles et nos droits, nos libertés. Et c'est donc le deuxième sujet que je souhaitais aborder, mais finalement l'un et l'autre sont liés puisqu'on voit bien que l'un est utilisé pour resserrer les droits de l'autre. Alors, moi, j'avais noté quelques dates que j'ai déjà rappelées hier dans notre émission spéciale sur la liberté d'expression. On a le 12 février, donc l'agence d'État Viginum qui a publié un rapport et qui a permis de fermer une vingtaine de chaînes d'information. Alors,
officiellement pour lutter contre les ingérences numériques étrangères et donc lutter notamment contre la Russie. Et il se trouve que ce sont aussi des chaînes ou voilà, qui permettent d'avoir des opinions différentes, divergentes, et notamment qui contestent les organisations internationales comme l'OTAN, l'ONU et l'Union européenne. Là, je cite donc le rapport de Viginum Pagens qui explique la fermeture de ces chaînes. Donc voilà. Premièrement, censure. Deuxièmement, on a vu aussi cette affaire de RCF, on en avait déjà parlé, mais comme on parlait des agents de la CIA, c'est intéressant, et le Conseil d'État qui se demande à l'ARCOM d'aller décompter les différentes opinions idéologiques de CNews en particulier. Enfin, disons que c'est CNews qu'on a remarqué, parce que ces idéologues de droite sont visiblement trop à droite ou trop différenciés par rapport à l'opinion macroniste. Enfin, ça c'était le 13 février. Le 14 février, l'Assemblée nationale donc rétablit l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. Et le 17 février, on a l'entrée en vigueur du DSA, le fameux DSA dont on avait déjà beaucoup parlé, hein, le Digital Service Act, donc cette loi européenne voulue par Thierry Breton pour mieux contrôler tous nos réseaux sociaux. Et rappelez-vous, hein, Thierry Breton, on avait passé un extrait de cette prise de parole où il disait « comme ça, on pourra empêcher les appels à la révolte ». Voilà. Donc à chaque fois, on voit comment, au soi-disant pour mieux contrôler les ingérences étrangères et donc notamment le grand méchant russe, eh bien, on resserre l'étau des Français. Je vous donne la parole en premier, Alexandre Mangois, là-dessus. Il y a beaucoup de sujets. Effectivement, je me réservais pour cette deuxième partie qui est liée à la première, où justement, pour contrôler les gens, il faut leur faire peur, mais il faut aussi contrôler. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et du digital, c'est encore plus facile. C'est-à-dire que la France et l'Europe, mais la France particulièrement, est en fascination devant le modèle de contrôle social chinois. Donc, on ne peut pas le mettre en place de façon assez officielle. Donc, on va contrôler les gens par des agences d'État qui vont dire ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Donc, déjà, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, on va aller dans leur intimité, leur dire ce qu'il faut. C'est plus de l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est un contrôle de l'État puissant et qui dit comment il faut faire à l'extérieur et publiquement. Et là, on va contrôler les gens, y compris dans une partie de leur sphère privée. Ils avaient déjà tenté le truc avec, par exemple, le Covid. Ils avaient dit combien il fallait être dans nos maisons. Voilà. Donc là, ils continuent de s'infiltrer dans les sphères privées. Ensuite, sur l'ingérence étrangère, c'est amusant, c'est l'ingérence étrangère du moment qui gêne le gouvernement. Parce qu'on a de l'ingérence étrangère tous les jours, j'allais dire, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais par exemple, tous les financements des mosquées en France. Voilà. Il y a derrière des financements marocains, algériens, tunisiens, saoudiens, qataris, etc. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron reçoit le Qatar en grande pompe. Une fois de plus. Donc, en fait, il y a cette ingérence étrangère qui est, oui, sur certains sujets, c'est pas grave, il y a l'argent qui rentre, on peut discuter, c'est nos amis du moment, demain, ce sera plus nos amis. Parlons, par exemple, des villages saoudiens invités par le gouvernement macroniste. Enfin, on se méfie d'un seul coup d'un ennemi en particulier, d'autres, on leur déroule le tapis rouge au même moment. C'est ça, on va arriver vraiment dans 1984. Petite anecdote au passage, certains Américains ont interdit la vente de ce livre au passage. Donc, c'est-à-dire que c'est intéressant. Qui a interdit la vente de ce livre ? Certains États américains qui ont dit qu'ils retiraient de la vente. Les États du Sud, Texas et je ne sais plus quelques autres, voilà, qui ont dit non, trop dangereux ce livre. Et du coup, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver effectivement dans ce qui se passe dans ce livre où on change l'histoire au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, les amis d'aujourd'hui, c'est cela, mais demain, on sera capable de nous dire ça a toujours été nos ennemis et puis ceux-là ont toujours été nos amis. C'est qu'on va changer l'histoire en fonction des besoins politiques du moment. C'est-à-dire qu'on ne va plus savoir de stabilité. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Voilà, donc ça, Emmanuel Macron a la parfaite illustration. Il ne sait pas où il vient et il ne sait pas où il va, du coup, à part nous emmener dans le mur. Mais du coup, on a ce double côté, contrôle de la population française, intérêts étrangers, etc., mais en fonction à géométrie variable, en fonction de qui fait l'échec et des intérêts du moment et réécriture de l'histoire au fur et à mesure des besoins de la politique du moment interne. Donc on est sur quelque chose de très totalitaire, complètement fou et qui est en train de se passer sous nos yeux sans que personne quasiment réagisse. Ouais. Régis. Alors, pardon, je partage totalement ce que vient de dire Alexandre, effectivement, de ce panorama d'un système qu'on essaie de mettre en place. Cela étant, il y a des urgences. L'ennemi aujourd'hui, c'est les Russes, alors que s'il y a bien des ingérences dans notre pays, elles viennent des États-Unis, tout le monde le sait, quand vous voyez sur les plateaux des gens qui émargent dans tous les think tanks américains, quelquefois, coucou Christophe Deloire, carrément dans des agences américaines, coucou Robert Ménard aussi d'ailleurs. Et donc, ça c'est avant. Ça c'est effectivement
tout un système qu'on est en train de mettre en place, c'est un système d'autoritarisme, parce que les dirigeants savent très bien que pour imposer la politique néolibérale qui est celle qui est infligée à notre pays, à l'Europe et à tout l'Occident, il faut mettre en place les outils qui empêchent justement précisément la révolte. L'aveu de Thierry Breton, il est formidable, quoi. C'est extraordinaire. Hein. Il viole carrément la Déclaration des droits de l'homme qui dit que justement, hein, la révolte contre le tyran est un des droits fondamentaux de l'homme. Bien, non, ce que je pense, c'est qu'il y a une urgence maintenant, c'est que le pouvoir est confronté à un réel problème. Il a laissé et organisé la mise en place d'un système médiatique mainstream, officiel, subventionné, qui relaie sa parole. On a 12 oligarques chez nous, hein, parce qu'on a des oligarques nous aussi. Il ne faut pas croire, on a ce produit-là aussi en magasin. Il a mis en place une presse totalement télévisée ou papier, totalement contrôlée par l'État, par lui et par ses oligarques qui l'ont fait d'ailleurs élire, M. Macron. Et face à ça, il voit bien que l'opinion s'est déconnectée, est en train de se déconnecter, et qu'en face de ce système médiatique qui dispense la vérité de ces gens, il y a une autre vérité qui apparaît au travers des réseaux. Toxin est l'illustration d'abord de cet appétit, le succès de Toxin et de ce besoin. Et face à ça, tous les prétextes sont bons pour essayer de faire taire ce système, de faire taire cette émergence. Ça, c'est l'urgence. Ça, c'est dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, c'est ce qui va se passer. Alors, on détourne de l'argent public dans l'affaire du fonds Marianne pour le donner à des petits fact-checkistes, comme on les appelle, qui sont là pour harceler ceux qui essayent de dire la vérité. Des fact-checkistes qui n'étaient parfois même pas journalistes avant, hein, qui vraiment sont des hommes créés pour la circonstance, hein, quand on regarde un peu leur parcours. Et des recelleurs de détournement de fonds publics, je prends mes responsabilités en le disant. Ce sont pour les petits agents. Mais il y a le DSA est une entreprise européenne autoritaire et l'objectif est de faire taire cette émergence, de faire taire ce nouveau système d'information. Parce que l'information, elle se fait maintenant aussi par déconnexion. Quand vous faites une étude sur les médias mainstream, la défiance est considérable. On est à des chiffres de 70% contre. Quand on parle des chaînes d'infos, c'est quoi le soir? C'est 600 000, 700 000 auditeurs, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, en face, il y a désormais ces réseaux qui sont une véritable puissance internationale. Il y a une globalisation. Moi, je suis toujours surpris quand j'ai des contacts avec l'étranger de voir le niveau d'information des gens. Oui. Sur ce qui se passe, y compris chez nous d'ailleurs. Hein, hier, j'avais un enregistrement avec un YouTuber canadien, il connaissait parfaitement tout ce qui se passait chez nous. Donc, et il le connaissait par les réseaux. Hein, je suis clair, il le connaissait par les réseaux. Oui. Donc voilà, on est confronté à quelque chose de très dangereux, et je vais reprendre à nouveau la citation de Roland Barthes, que j'aime beaucoup, qui est « Le fascisme, ce n'est pas seulement d'empêcher de dire, mais d'obliger à dire ». C'est-à-dire qu'on veut que ce que vous pensez, finalement, on s'en fiche, mais c'est ce que vous devez dire. Donc, vous n'allez pas dire ce que vous pensez, vous allez dire ce que nous, on pense, et que ce que nous, on veut que vous disiez. Et c'est terrible. Il faut qu'on réussisse à empêcher la mise en place d'un système qui est, qualifions-le comme il doit l'être, néofasciste. Ouais, et c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. Viginum, le DSA, etc., ne fait pas tant réagir que ça. On pourrait voir plus d'élan de révolte du côté des parlementaires, par exemple. Bon, nous, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, qu'on lance une pétition qui va être adressée pour défendre cette liberté d'expression, qui va être notamment envoyée aux parlementaires. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'ailleurs, de la signer et de la partager autour de vous. Alors, c'est vrai qu'en tout cas, on voit, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on voit
une accélération aussi du mouvement. Si on peut juste parler de ça avant de changer de sujet, pourquoi cette accélération aujourd'hui? Pourquoi une précipitation dans la surveillance? Est-ce que justement c'est parce que, on va dire, la bête est malade ou acculée et qu'il faut particulièrement resserrer les mailles du filet? Je reste avec vous, Régis, et Alexandre. moi, je vais être bref pour ne pas monopoliser la parole trop. C'est parce que la crise est extrêmement présente. D'abord, il y a la défaite en Ukraine qui est consommée. Mmh. On sait très bien que si on regarde le réel, la messe est dite. Et ça, il va falloir l'assumer. C'est une défaite considérable. Considérable, c'est l'OTAN qui est, et l'OTAN, avec États-Unis en tête, qui subit cette défaite. D'ailleurs, vous avez noté la phrase, hein, il ne faut pas que la Russie gagne. Attendez, il faut que l'Ukraine gagne. On ne peut plus le dire parce qu'on sait que c'est impossible. Donc, il ne faut pas que la Russie gagne. Expliquez-moi le sens de ça. Expliquez-le-moi, dites-moi le contenu de cet objectif stratégique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a de la panique. Le terme panique, je pense, qui est aujourd'hui le bon, y compris la façon dont Emmanuel Macron a organisé la diversion après la catastrophe du salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture, en essayant de reprendre l'initiative sur la guerre en Ukraine. Mmh. Alexandre Langlois, sur cette question d'accélération, et ensuite on va passer à un autre sujet qui vous intéresse particulièrement. En fait, il y a tout qui est en train de s'écrouler. C'est que Emmanuel Macron peut donc justement essayer de faire des diversions, mais maintenant les diversions, c'est plus des diversions de communication aussi, mais des communications gravissimes pour créer la peur. On a le système également derrière financier qui est en train de s'écrouler, une inflation galopante, tout qui s'écroule. Donc les gens commencent à avoir de plus en plus de difficultés. Donc il va falloir les contrôler plus vite que prévu. Les Jeux Olympiques qui arrivent également, où c'est le chaos qui est prévu. Donc il va falloir contrôler les gens, ou alors expliquer qu'à cause d'un événement extérieur, on doit les annuler. Alors je vous garde 30 secondes là-dessus d'ailleurs, Alexandre Langlois, parce que vous qui avez aussi travaillé dans le renseignement au niveau de la police, vous allez pouvoir nous renseigner. C'est quoi cette histoire de il y a quelqu'un qui se balade dans le métro, qui perd qui travaillait pour les JO et qui perd la clé USB où il y avait toutes les informations, et donc c'est quand même un peu embêtant. Est-ce que c'est normal d'abord de communiquer que ça puisse arriver, de communiquer là-dessus? Est-ce que c'est pas justement pour préparer un éventuel changement de cap? Le changement de cap avait déjà été annoncé. Ils ont dit qu'il y aurait sans doute beaucoup de hackers qui allaient travailler au niveau des JO et perturber le truc. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, c'était prévisible. Qu'on soit pas prêt, c'était prévisible. Donc là, de dire « Ah, c'est pas de chance, on a été volé d'une clé USB », c'est juste pour préparer l'opinion à la suite. Et puis d'ailleurs, les clés USB, la police avait été victime à l'époque d'une fuite de données par clé USB également, avec la catastrophe qu'il y avait eu derrière. Il y avait eu des propositions qui avaient été faites pour sécuriser les choses. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur donne quelques préconisations au niveau des JO, bien qu'il n'ait pas la main sur toute l'organisation, bien loin, mais en tous les cas, sur les informations sensibles qui peuvent être consultées dans certains endroits, effectivement, il y a des facilités numériques, mais pas de les mettre sur des endroits, enfin des clés USB ou d'autres supports amovibles qui peuvent être transportés partout. Oui. Donc ça, faute grave, et après, le niveau de responsabilité… Mais faute grave ou seulement mensonge pour préparer autre chose, à votre avis? En fait, malheureusement, avec l'équipe de Branquignol qui est à la tête de tout ça, à la fois en France et au JO, on ne peut pas savoir si ce n'est pas les deux, en fait. Manque préparer l'opinion et puis juste incompétence, tout simplement. Parce que quand bien même ce serait arrivé, est-ce que d'habitude on communique sur ce genre de choses? Non, pas forcément. Ils peuvent communiquer s'il y a des gens qui peuvent être en danger derrière ou des choses comme ça. Ils peuvent dire, après, ils vont nous dire liberté d'information, il faut qu'on communique, on veut de la transparence. Oui, pour la liberté d'information, la bandeau. Je dis, quand ça les arrange, ils peuvent en parler. Ouais. Et la transparence au milieu de l'opacité, ils disent, regardez, on a fait un petit point de transparence. Là, voilà. Donc, au final, dans tous les cas, ça sert des intérêts de préparer le fiasco qui s'annonce. Eh bien. Ça va être sympa tout ça. Alors, je vous garde, Alexandre Langlois, on aborde un sujet. C'est vous qui m'avez tendu ce sujet. Vous souhaitiez revenir sur, je rappelle que le 20 février, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, tête de liste pour les Européennes, a reçu une médaille des mains du commandant d'une compagnie de CRS des Alpes-Maritimes. Et que s'est-il passé le lendemain? Gérald Darmanin a publié et envoyé une mise au point au préfet, une note au préfet, aux responsables de police et de la gendarmerie, pour expliquer que quand même, dans un contexte pré-électoral, il fallait faire preuve de discernement, je le cite. Il insiste sur le fait que toute action de communication politique dans les services de police et de gendarmerie est proscrite au nom du principe de neutralité du service public. Vous souhaitiez réagir là-dessus?
Effectivement, parce que ça pose des questions. C'est-à-dire que Gérald Darmanin est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il se sert tous les jours de la police pour sa carrière politique et pour la propagande officielle. Donc les règles pourraient être fixées. C'est-à-dire plutôt que de dire à la veille des élections, on ne fait pas ça. Bon, si Javert est un tout petit peu crédible par rapport à comment la Macronie détourne la police et comment s'en sert pour sa communication, il peut dire ben, voilà, il n'y a que les élus, donc par exemple députés, sénateurs, ministres, qui peuvent faire de la communication autour des instances officielles pour lesquelles ils sont légitimes. Et les gens qui ne sont pas élus, en tous les cas représentants du peuple, bah, du coup, n'ont pas le droit de s'en servir. Non, là, c'est juste, les autres n'ont pas le droit, il n'y a que nous qui avons le droit. On veut le monopole, donc ça fait le petit enfant qui n'est pas content, parce que lui, quand il doit se déplacer, il doit se déplacer avec des compagnies de séance complètes, Emmanuel Macron aussi, donc la communication pas terrible, on ne les accueille jamais vraiment à bras ouverts, donc très compliqué pour eux. Donc, du coup, bah, ce petit côté, voilà, on va faire la leçon aux autres, mais par contre, on ne va pas mettre des règles. Les règles, ça va être que pour nous, pas les autres. Mmh. Alors que, bah, je veux dire, tous les gens qui peuvent être élus, je veux dire, un sénateur, un député, a toute légitimité à aller se rendre dans une compagnie de CRS en tant qu'élu du peuple. Et pas... Donc, c'est ça aussi, c'est la petite différence où il faut jouer entre élu du peuple et étiquette d'un parti. Mais par exemple, on pourrait dire la même chose de nos ministres, vraiment qui sont serviteurs de la population, du terme ministre, et non serviteurs du pouvoir en place et de leurs intérêts personnels. Donc, voilà, c'était la petite mise au point, une fois de plus ratée, il me semble, de Gérald Darmanin, qui coup de menton, pas content, pour finalement faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors, j'en profite, je fais une petite pause pour vous remercier parce qu'on est 4000 auditeurs en direct, évidemment. Après, sur la suite et les revues, on expose toujours les records tous les jours. Mais là, sur le direct, c'est absolument incroyable. Du jamais vu, ça arrive souvent le jeudi avec vous, les amis. Je vous félicite. Et on est, voilà, on est en train d'exposer toutes les statistiques habituelles. Donc, merci infiniment à vous tous. Et on continue de mettre des pouces, des likes, des cœurs, des bonhommes, smiley, tout ce que vous voulez, qui peuvent faire monter justement la visibilité de ce live. Comme ça, on sera encore plus nombreux et ce sera magnifique, et d'ailleurs encore plus nombreux à signer la pétition pour défendre la liberté d'expression, pourquoi pas. Alors je suis déjà un petit peu en retard, Didier Maistre est déjà en place, mais je vais quand même garder encore un tout petit peu mes deux invités. Je voudrais je sais pas si Régis, si vous souhaitez réagir un tout petit peu sur cette histoire de Jordan Bardella, Gérald Darmanin, et puis peut-être rapidement aussi je voulais vous demander votre avis sur cette information qui est tombée, cet article de Marianne qui est tombé hier sur l'affaire des autoroutes. Bruno Le Maire est visé par une enquête préliminaire pour faux en écriture publique. Voilà, car en fait, lui et sa secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais, n'auraient disposé d'aucun document préparatoire à la prolongation en 2015 des contrats passés avec l'État avec des sociétés autoroutières. Et d'ailleurs, ça aurait été validé par un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Enfin, voilà, on voit qu'en fait, ils seraient mouillés dans cette affaire des prolongations des contrats d'autoroutes. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est tombé hier. Mais peut-être alors, si vous voulez. Premier sujet. Premièrement, sur la remise d'une médaille à Jordan Bardella dans une période électorale, je suis très réservé, hein, j'aime pas ça. Je suis clair, et je crois qu'Alexandre a très bien dit, il y a effectivement un devoir de réserve, mais Darmanin qui proteste, il a dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité, je vais prendre une autre expression, c'est Marmite qui dit cul noir à chaudron. Bon, donc, voilà. Alors, en ce qui concerne cette information, on a très très peu de détails. Une fois de plus, je constate qu'il doit y avoir du règlement de compte derrière, visé par une enquête. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, il n'y a pas de mise en examen, puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction désigné. C'est toute cette histoire autour des concessions d'autoroutes qui masque des opérations de corruption géante. Coucou, monsieur de Villepin. Et donc, on dit faux en écriture publique, je ne vois pas très bien ce que ça viendrait faire là-dedans. Mais ça veut dire quoi, faux en écriture publique, déjà? Justement, l'écriture publique, ce sont les actes authentiques. Un acte de notaire est un acte authentique. Alors, c'est les officiers ministériels qui les prennent, ce sont les délibérations d'un conseil municipal authentifié qui sont déposées en préfecture. Il faut que ça ait été rédigé par un agent public. Et il faut que ce soit ce qu'on appelle un acte authentique. Et attention, le fonds d'écriture publique, c'est un crime. C'est jugé par une cour d'assises.
Donc, mais des documents de préparation, vous avez dit documents préparatoires, des échanges, des lettres ne sont pas, et qui peuvent être défauts, mais c'est des faux en écriture privée. Le faux en écriture publique, c'est vraiment un jugement, par exemple. Mmh. S'il y a un faux dans un jugement, c'est un faux en écriture publique. Je ne vois pas très bien, là, en l'occurrence, ce qu'il en est, mais il y a peut-être des choses. Toujours est-il que cette façon qu'il y a maintenant systématiquement d'utiliser les enquêtes préliminaires des parquets, qui sont à discrétion des parquets et par conséquent du pouvoir, sont effectivement des méthodes qui sont bizarres. Mmh. Regardez, on a parlé des Jeux Olympiques. On retrouve votre livre, en fait, hein, une justice politique. Là. On a parlé des Jeux Olympiques. Il y a trois dirigeants, je ne sais plus de la structure, qui s'est occupé de l'organisation, qui seraient visés par des enquêtes préliminaires concernant leur rémunération, alors là, détournement de fonds publics, etc. Donc, je pense qu'à chaque échéance électorale, on va voir ce genre de choses se présenter, ou bien on va avoir des règlements de compte politiques, hein, parce que ça, les politiques adorent se servir de la justice contre leurs adversaires, jusqu'au jour où ça leur tombe sur le nez à eux. C'est ça, exactement, de la justice et des médias d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Langlois, je rappelle votre livre « Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie », édition Talma, Régis, une justice politique, encore une fois, on est en plein dedans, aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à vous deux, merci à vous tous sur Tocsin d'être si nombreux et de continuer à nous soutenir. Tout de suite, nous retrouvons Didier Maïsto pour son coup de marteau. Le coup de marteau. Bonjour Didier Maïsto. Bonjour Clémence. Moi, quand je donne des coups de marteau, je ne me tape pas sur les doigts. Ouais. Mais vous savez, en fait, c'est parce qu'on n'a que des... Je n'ai jamais expliqué ça. Nous n'avons que des jingles qui font référence à au son des cloches, etc. Et le coup de marteau, c'est le coup qu'on donne dans la cloche. Voilà absolument. Mais vous n'êtes pas la cloche. Et non, mais j'ai des coups portés à des cloches un peu fêlées. Oui, exactement. J'aimerais bien en porter pour finalement achever un peu le travail. Quelle est votre cloche fêlée du jour ? De quoi souhaitez-vous parler ? Non, mais je voudrais revenir un peu sur cette liberté d'expression qui s'évapore petit à petit, hein, effectivement. Ça a été un peu abordé par Régis et par Alexandre. On est vraiment dans la fabrique d'un consentement. Et c'est vrai que cette expression de Barthes, le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Mmh. Et aujourd'hui, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la politique intérieure, mais que ce soit aussi sur l'Ukraine, alors là, c'est un festival d'imbécilité, d'idiotie, etc. Finalement, tout ce qui se passe en France, moi, j'ai créé un néologisme en un seul mot, écrit de manière phonétique, c'est les Russes. Ouais, c'est... Et donc, aujourd'hui, il faut... La révolte des agriculteurs, c'est les Russes. Hein, bah oui, vous avez. Alors ça, c'était assez incroyable. Mais les gilets jaunes, c'était les Russes aussi. Hein. Les gilets jaunes, c'était les Russes et aussi l'antisémitisme. Oui. Ah. Hein. Il y avait un salafiste qui avait été filmé avec la barbe caractéristique du salafiste, qui avait interpellé un philosophe bien connu, qui avait cherché d'ailleurs lui-même la confrontation. Et puis tout le monde avait dit « Regardez les gilets jaunes ». C'est gangréné par l'antisémitisme. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le pays, évidemment, c'est les Russes. Les paysans sont finalement un peu victimes du FSB. Ils sont manipulés. Oui. Mais tout le monde dit ça. D'ailleurs, pour les paysans. Non, mais quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les journalistes font des émissions qui durent des heures sur les chaînes d'infos, ils disent ça. Oui. Sans contradiction, les hommes politiques à l'Assemblée nationale, les ministres, les députés disent cela, sans être du tout contrés. C'est absurde. Et ils citent comme source Ursula von der Leyen. Voilà, mais c'est complètement lunaire, quoi. Et on voit ça se développer, ce récit qui est alternatif. Ce nouveau narratif. Voilà, qui n'existe que dans la tête de ces gens-là, qui ne repose absolument sur rien. Et toute la journée, on vous dit, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Et ça, c'est vraiment très préoccupant.
Parce que ça crée une parenthèse pour une réalité parallèle. Excusez-moi Didier, juste je fais une parenthèse parce que ce que vous me dites, j'ai eu une discussion hier avec Yves Bonnet, qui était l'ancien patron de la direction de renseignement du territoire. Absolument. Sous Mitterrand, et qui sera notre invité à la volée lundi, et il va vraiment nous expliquer justement toute cette histoire de renseignement, et qu'on ne peut absolument pas, il dit, même si c'était les Russes, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas en balançant sur la place publique. Voilà, ce sera une interview très intéressante à lundi. Non, mais vous voyez, c'est cette histoire, venant sur ce qu'a dit M. Macron, sa sortie où il s'est fait retoquer par l'ensemble de la communauté internationale, par toutes les chancelleries européennes, par les États-Unis et par l'OTAN. Excusez du peu. Quand il a dit cette histoire de troupes au sol, vous voyez, en fait, la diplomatie demande de la discrétion, du travail et de la hauteur de vue. Oui. Monsieur Macron, c'est la parole performative en permanence, mais qui n'est pas du tout performante en espèce. Plus, oui. Vous voyez. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous vous agitez comme ça, c'est premièrement le signe de la faiblesse. Quand vous parlez sans arrêt, c'est le signe que vous ne travaillez pas. Je rappelle que M. Macron n'a jamais travaillé. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand vous regardez sa déclaration d'intérêt, etc., il était contrôleur des comptes publics. Il faudrait que les auditeurs sachent ce que c'est contrôleur des comptes publics. Ce n'est pas quelqu'un qui se met derrière l'ordinateur et qui épluche tous les comptes des sociétés publiques ou parapubliques. Pas du tout. C'est quelqu'un qui fait des dîners, des déjeuners trois fois par semaine. Et lui, en l'occurrence, il en faisait deux par soir. Même son ministre de tutelle, M. Sapin, disait que ce n'est pas possible. Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé, vous voyez, et donc qui n'ont pas la notion de ce que c'est et qui n'ont pas non plus la notion de la diplomatie. Et on nous bassine avec le fait qu'il n'arrête pas, qu'il ne dort pas la nuit. Mais oui, mais si vous voulez, s'agiter n'est pas travailler. Et produire du verbe, surtout du verbe complètement vide, démonétisé, oui. Vide, oui. Non seulement nous met en danger, mais nous fait être la risée du monde entier. Sur cette histoire d'Ukraine avec le narratif, que bon, je ne vais pas l'expliquer parce que de toute façon, H24, sur toutes les chaînes d'infos, dans toutes les radios, on entend cette histoire. Et avec tous ces bellicistes de Plateau TV qui incitent les jeunes à aller se faire trouer la peau pendant qu'eux, ils siroteront des spritz entre le Flore et à Saint-Germain-des-Prés, en général. Bon. Il faut aller se battre, nous disent-ils, etc. Parce qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas laisser comme ça la Russie envahir, etc. Je voudrais juste rappeler quelques éléments. La communauté européenne de défense, on en parle depuis 1954. Ça fait 70 ans. Hein. Donc, c'est le retour à la SDN. Il n'y a pas de force armée européenne. Il n'y a pas de consensus européen. Il n'y aura pas de consensus européen. L'OTAN n'enverra... Je vais vous dire, il y a l'OTAN quand même. L'OTAN n'enverra jamais des hommes se battre. Les États-Unis n'enverront jamais des hommes se battre sur le sol ukrainien. Donc, la seule issue possible à cette crise, ce n'est pas ce que dit M. Glucksmann ou ce que dit M. Séjourné ou M. Bernard Kouchner, M. Grinderie. Comme je le disais, il aime beaucoup les croupes au sol, si vous me permettez cette saillie. Et comme l'a dit d'ailleurs Régis de Castelnau, il y a au moins une cohérence dans son propos. Il ne s'est pas trop occupé de ses enfants, donc les enfants des autres, ça ne lui pose aucun problème. Ces gens-là, et je pèse bien mes mots, devraient être poursuivis pour incitation à la haine. Je pèse bien mes mots, hein, et je vous l'ai dit solennellement. C'est inadmissible. Il n'y a pas de possibilité, la seule possibilité, c'est la diplomatie aujourd'hui. Il n'y a pas un homme politique, s'il y a Mélenchon, tiens, qui a fait sa sortie, qui a dit les choses clairement, pour une fois, il n'y a pas de circonvolution, il a dit « on ne va pas aller à la guerre, c'est impossible, si on fait ça, c'est la catastrophe, etc. » Donc, Marine Le Pen n'a pas réagi. Marine Le Pen, un petit peu, c'était un peu plus flou, un peu plus, on ne sait pas trop, mais je pense qu'ils sont un peu embêtés avec cette histoire russe. D'emprunt russe, etc. Donc, ils y vont mollo. Mais voilà quelle est la situation. Il faut dire la vérité aux Français. Et tout ce discours parallèle qu'on a, qui sort juste de cerveau malade, qui est sans arrêt expliqué à la télévision, essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et nous expliquer le monde tel qu'il n'est pas, tel qu'il ne sera jamais. La Russie, c'est très important parce que les gens ne savent pas forcément,
si vous voulez, elle est en économie de guerre depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans. C'est-à-dire que toutes les entreprises même qui fondaient du métal pour faire des oléoducs, des gazoducs, sont passées en économie de guerre et font des missiles. Les missiles russes coûtent 10 fois moins cher que les missiles américains et français. Ils sont fabriqués 10 fois plus vite. La Russie produit énormément d'ingénieurs, 50% d'ingénieurs. Mmh. On ne produit plus d'ingénieurs en Europe. Les États-Unis ne forment plus d'ingénieurs. Ils font, tous les Américains, qui est une société malade, ils veulent faire du fric. Ils veulent être avocats, ils veulent être financiers, ils veulent être éventuellement médecins. Mmh. Ils ne sont même plus capables d'enrichir leur uranium qu'ils achètent à la Russie. Il faut savoir, il faut regarder comment se nouent les choses de façon concrète. Et donc, comme l'a dit d'ailleurs Jean-Dominique Mercher, qui fait Florès hein, sur LCI, puisqu'il appelle toujours à la guerre, mais quand il écrit des livres, il est un peu plus sérieux. Il dit que l'armée française, c'est une armée américaine au format bonsaï. C'est-à-dire qu'elle est très opérationnelle sur un rayon d'action très faible pendant 3 jours. Voilà la réalité. C'est juste la réalité des faits. Ce que je dis n'est pas une opinion, n'est pas une réalité alternative, c'est factuel. Mais Didier, le problème par rapport à ce que vous dites, c'est que à vous entendre, on se dit bon, finalement, ce sont quelques fous, des rois fous qui s'expriment, mais la réalité devrait aller s'interposer devant eux et rappeler tout le monde justement à un raisonnement plus sérieux. Sauf que on a un problème, c'est que en plus d'un roi fou, on a des médias fous qui eux aussi suivent ce narratif. Et c'est là où plus personne n'est là pour dire que le roi est nu. Eh oui, et ça, c'est assez terrible, c'est de voir comment quelques personnes, c'est ça, hein, c'est Todd qui parlait d'oligarchie libérale pour qualifier nos démocraties, et particulièrement la démocratie française. Il dit qu'il y a des régimes autoritaires, mais qui sont des démocraties autoritaires comme la Russie, et je trouve cette dichotomie assez intéressante. Et enfin, vous avez des oligarchies libérales. Quelle est la différence? Ben, les oligarchies libérales, c'est un petit groupe de personnes qui possède tous les leviers, tous les pouvoirs médiatiques, syndicaux, politiques, culturels aussi, et qui agissent, économiques bien sûr, et qui agissent financiers sur tous les leviers. Et donc, comme vous avez le contenu et le contenant et les organes de régulation que vous maîtrisez, ben vous pouvez diffuser comme ça un discours minoritaire pour en faire un fait majoritaire. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est terrible. Première dichotomie, deuxième dichotomie, finalement induite par la première, c'est que dans une oligarchie, vous avez très peu de gens donc, qui dirigent et peu de gens qui soutiennent. C'est-à-dire, vous avez un socle de l'ordre de 16 à 18% des inscrits, ça peut aller jusqu'à 20%, 22% des votants, mais ce n'est pas propre à M. Macron, c'était le cas pour M. Sarkozy, pour M. Chirac, etc. Donc, un tout petit socle, c'est-à-dire que vous avez plus de 80% dans une élection majeure qui scande la vie politique française, qui ne votent pas pour vous. Vous comptez sur 100 personnes, il y en a 80 qui ne votent pas pour vous. C'est ça, le fait minoritaire qui devient majoritaire. Et de l'autre côté, donc, vous avez des régimes comme le régime russe, comme le régime turc, qui ne sont pas des démocraties extraordinaires, hein, ça tout le monde peut le dire, s'y accordent, mais qui sont soutenus par les 2/3 minimum de la population. Et pourquoi? Parce que ce sont des sociétés qui ont encore la notion de souverainisme, de souveraineté, qui sont des sociétés protectionnistes, qui sont encore des peuples constitués. C'est quoi un peuple? Ben, un peuple, c'est une langue, une culture, une religion, des frontières, et donc tous les attributs, tous les outils de la souveraineté. Et aujourd'hui, nous faisons exactement le contraire en France, c'est-à-dire nous sommes ouverts à tous les vents sur le marché intérieur et dans la politique intérieure, et nous sommes fermés à l'extérieur. Donc ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire on importe tous les problèmes du monde dans notre pays, les accords de libre-échange, mais on n'a pas les outils pour lutter contre ça. Quand, vous voyez, on est au cœur du problème, parce que quand on parle de souveraineté,
bien sûr, le procès qui nous est fait, c'est « Ah, vous voulez retourner à l'âge de pierre, vivre dans un village gaulois, fermer les frontières ?» Non, ça ne veut pas dire fermer, ça veut dire contrôler. Mmh. Ça ne veut pas dire… Privilégier aussi. Privilégier, ça ne veut pas dire ne pas s'ouvrir sur le marché. On comprend bien, puisque vous parliez d'agriculture, et notamment en termes viticoles, que le vin, ça s'exporte. Bah, évidemment, que notre bon vin français doit être exporté. Et qu'il y a beaucoup de produits qu'on peut exporter. Et d'ailleurs, la France, mais ça ne va pas durer, puisque chaque année, on perd des parts de marché, est encore la première nation européenne en termes d'exportation, au niveau de l'agriculture. Oui. Mais vous voyez, on a perdu, on est en train de perdre, et ça, c'est vrai pour tout l'Occident, le secteur primaire, le secteur secondaire, c'est-à-dire l'agriculture, la production de biens manufacturés, etc., de l'industrie. On n'a plus que le tertiaire. Et comme je le dis souvent, la France va devenir un musée à ciel ouvert, une nation de services ouverts au tourisme, avec des pousses-pousses, des gens… Mais surtout que le tertiaire va très vite être remplacé par les algorithmes. Mais bien sûr, donc c'est voué à l'échec. Ouais. Et toutes les nations qui, dans l'histoire contemporaine ou dans l'histoire moderne, ont gagné les guerres, c'est celle qui avait une capacité industrielle à produire. C'est quand même élémentaire de comprendre ça. Je pense que les Français, si vous avez un homme politique, j'ai vu une sortie de chevènement hier, qui soudainement est sorti de sa torpeur, de son placard macroniste. Bon, il avait eu sa petite médaille, sa Légion d'honneur, il était content, il a fait. Et puis là, il s'est réveillé, il a dit non, c'est pas possible. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit ce que les Français attendent d'un président français, c'est qu'ils défendent les citoyens français. Qui est pas prêt... les Ukrainiens. Il dit qu'il serait bien qu'ils défendent d'abord les Français avant de défendre les Ukrainiens. C'est la vrai question... qu'on a envie de lui rappeler par moment. Mais oui, mais qui a envie de mourir ? Je vais être un peu provocateur. Qui a envie aujourd'hui d'aller se faire trouer la peau pour l'Ukraine ? Il faut savoir, ça aussi, il faut que nos auditeurs sachent. L'Ukraine, qu'est-ce que c'est ? L'Ukraine, c'est un grand pays agricole, en termes de territoire, qui est plus grand que la France, qui est dans la dépopulation. C'est-à-dire que vous avez plusieurs millions de personnes qui sont parties, notamment en Allemagne, ailleurs, aux États-Unis, un peu partout. Ils ne reviendront jamais. Les riches oligarques, ça fait bien longtemps qu'ils s'en foutent. Ils vivent à Londres, à Monaco, sur la Côte d'Azur et à Megève. Eux, c'est fini. Et vous voyez un peu les plaques d'immatriculation. Les voitures à 1 million, 2 millions d'euros, elles sont souvent des plaques ukrainiennes. Dans la région PACA, à partir de Villefranche, Saint-Jean-Cap-Ferrat, vous aviez des Russes pendant des années. Depuis 10 ans, il n'y a plus que des Ukrainiens. Vous avez aussi de la dépopulation parce que les gens meurent au combat. Les gens sur le terrain disent que ce n'est pas 30 000 morts, c'est 500 à 700 000 morts. Un État très faible. Je me rappelle, c'était le nombre annoncé par Zelensky. Voilà. C'était complètement risible. Un État très faible, un État complètement corrompu, qui s'effondre sur lui-même et qui est en fait une province américaine. Je l'ai dit ici à ce micro, mais ça, vous savez, j'ai une certaine constance dans mes propos. J'ai dit que depuis des années, l'Ukraine n'était plus qu'un théâtre d'opération américain. Aujourd'hui, le New York Times, il y a quelques jours, a sorti toute une enquête avec force preuve à l'appui pour montrer toutes les bases américaines. Donc voilà ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas d'armée européenne. Nous avons poumons mobilisés 30 000 hommes, allez, 35 000 hommes au bout du monde, et personne n'ira là-bas parce que, de toute façon, la Russie n'est pas dans l'ambiguïté stratégique. Elle a une stratégie défensive, une doctrine militaire qui est basée sur une stratégie défensive. Si vous nous attaquez, on répondra. Et on répondra comment ? Par des missiles nucléaires ciblés. C'est très clair. Donc, voilà quelle est la situation. Donc, aujourd'hui, ça n'a aucun sens de dire « il faut aller se battre sur le terrain, soutenir les pauvres Ukrainiens qui sont en train de… » Oui, les pauvres Ukrainiens sont en train de mourir. Oui, ils sont en train d'être massacrés, d'être sacrifiés. Mais la seule issue possible à ce conflit, c'est la diplomatie. C'est se mettre autour d'une table et discuter. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent « on ne discute pas avec les dictateurs ». On ne discute pas avec les gens autoritaires. Mais on discute avec qui alors ? Avec les bisounours ? Quand vous êtes dans un état de guerre, vous discutez… Qui sont les gentils aussi ? Non, mais vous discutez avec… Dans leur schéma. Si c'est les Américains, il va falloir… Non, mais si on discute… Ou alors, si on veut ne pas discuter, on ne fait pas des rodomontades, on ne bombe pas le torse et on attaque. Vous savez, quand vous parlez, c'est que vous êtes faible. Quand vous menacez quelqu'un, c'est que vous êtes faible. Quand vous n'êtes pas faible, vous tirez.
Et c'est Poutine a beau jeu de le dire, il dit, moi, s'il y a un problème, ça sera, on attaquera les premiers. Quoi. Donc voilà, on a besoin de réalisme, on a besoin de réel politique dans un monde qui est devenu complètement incertain, complètement instable, voire métastable, avec l'émergence des BRICS, c'est-à-dire des puissances nationales, voire nationalistes, la Turquie, qui se dit en passant, est membre de l'OTAN. Ça laisse un peu songeur. Et qu'on voulait faire intégrer dans l'Europe. Voilà. L'Inde, la Russie, la Chine, l'Iran. Et bientôt, je vous le dis, vous aurez les trois quarts des pays africains. Les trois quarts des pays africains. À ce stade, aujourd'hui, nous sommes déjà aux trois quarts de la population mondiale dans les BRICS. Et les BRICS, ils ne font pas les erreurs, pour l'instant en tout cas, qu'a fait l'Union européenne, qu'a fait l'Union soviétique, parce que les Russes sont sortis de l'Union soviétique et les Européens sont en train de refabriquer une Union soviétique. Non, les BRICS ne font pas ça. Ils gardent leur indépendance, ils gardent leur autonomie et ils se groupent en fonction de leurs intérêts quand ça les arrange. Et je pense que tout chef d'État devrait d'abord défendre son peuple. Et c'est ça la souveraineté, c'est ça le vrai patriotisme. Le vrai patriotisme, ce n'est pas M. Glucksmann ou M. Kouchner qui viennent à la télé pour dire « Envoyez vos enfants se faire trouer la peau, c'est peut-être difficile, avant de regagner leur pénate et leur salon douillet. » Le vrai patriotisme consiste d'abord à dire la vérité aux citoyens dont on a la responsabilité et à protéger son peuple. À protéger son peuple. Et on en est très très loin. C'est la plus grande calamité qui soit arrivée à la France, M. Macron, il y en a eu d'autres avant lui, mais si vous voulez, il est en train de détruire le pays sur le plan intérieur et il est en train de mettre en danger notre population sur les théâtres extérieurs. Et ça, c'est hyper grave. Et je n'étais pas favorable jusque-là à l'article 68 de la Constitution pour la destitution de M. Macron, mais depuis qu'il a eu son discours à la conférence avec tous les chefs d'État européens, je suis favorable à cette mise en place parce qu'il faut le mettre hors d'état de nuire, ce monsieur. Il a fait assez de mal à la France et aux Français, il a fait assez de mal à tous les Européens et il est temps, s'il veut rendre service aux Français, qu'est-ce qu'on peut attendre, disait M. Chevènement, d'un président de la République, qu'il s'en aille. Et bien, ce sera le mot de la fin, Didier Meisto. Merci infiniment. Merci. Je rappelle que vous êtes ancien patron de Sud Radio. Il était bien et bon de remettre ces choses au clair, ces choses faites. J'espère que cette parole portera, en tout cas, Didier Meisto. Merci infiniment. Merci à vous. À très et bientôt. Bravo. Et merci à vous tous, car nous avons battu ici, pendant la présence de Didier Meisto, ce record d'audience, record absolu, 4800 personnes en direct. Donc, on est presque 5000. Allez, on pousse aux 5000, on continue. Pourquoi pas 10 000, hein? La prochaine fois, jeudi prochain, on sera à 10 000. Oui, allez, par un prompt renfort. Avec vous, Didier. Mais ça, c'est parce que vous êtes venu en studio, vous avez une belle cravate. Vous avez vu, c'est... Merci. Quand je viens vous voir, j'ai une cravate. Oui, exactement. Je suis très touchée. Nous sommes tous très touchés, d'ailleurs. Et ça se sent dans les audiences. Merci infiniment. On va continuer, d'ailleurs. On parlait de souverainisme. Évidemment, on va parler de souverainisme avec François Asselineau. On va parler de cette crise des agriculteurs. On va parler de l'Ukraine. Et évidemment, on va parler des européennes avec François Asselineau, qu'on retrouve d'ici une dizaine de minutes. Mais d'abord, on va donner la parole à Pascal, Pascal qui tire la sonnette d'alarme pour les stations de lavage. Les stations de lavage qui sont sacrifiées sur l'autel de l'écologie politique dans un non-sens absolu. Il veut nous en parler et on est avec lui puisqu'on donne la parole à tous les sonneurs d'alerte ici, tout de suite avec Pascal. Le clairon. Et pour ce clairon, je donne la parole à Pascal, qui est laveur auto, président d'une fédération de laveurs automobiles dans le sud de la France. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Et merci beaucoup à vous d'être avec nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites finalement, nous sommes aujourd'hui dans une absurdie totale et notre domaine, notre profession est en crise, selon, soi-disant, enfin, à cause plutôt de mesures qui sont là, soi-disant écologistes. Et vous dites, en plus, c'est complètement aberrant et contre-productif. Alors, expliquez-nous tout ça. Oui, c'est contre-productif parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une guerre de l'eau qui a commencé depuis 2 ans. Il y a 2 ans, souvenez-vous, nous avons eu une crise hydrique, quelque chose
quand même pas courant sur le territoire français. Le gouvernement a paniqué suite à cette sécheresse qui s'est installée juste avant l'été 2022. Et donc le gouvernement a paniqué, n'a pas su gérer cette crise et a décidé donc de punir et de maltraiter notre profession, puisqu'on parle de nous dans oui. Dans alors qu'est-ce qu'il a justement, comment il a voulu vous punir et vous maltraiter? Eh bien, en sortant, donc le ministère de l'écologie a donné des directives à tous les préfets de région qui ont établi des arrêtés préfectoraux. En se servant des arrêtés cadres, bon, c'est un peu juridique, mais bon, ce sont des documents officiels que les autorités émettent qui nous punissent, qui font que, bon, à un moment donné, c'est la loi et nous avons été donc touchés par ces arrêtés préfectoraux qui nous ont fait une fermeture administrative. D'accord, donc vous avez été fermé pendant combien de temps ? Il y a eu 2 mois de fermeture, vraiment en haute saison d'été. Alors, ça n'a pas touché toutes les stations de lavage du territoire français, mais on va dire 93% du territoire a été touché. Donc, c'est énorme, c'est inédit. Et il en déduit forcément une perte de chiffre d'affaires conséquente. Évidemment. Donc, depuis, vous avez pu rouvrir, mais vous dites finalement, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et tout ça, en plus, donc, sous prétexte de la crise de l'eau, de faire attention à la dépense de l'eau. Et vous dites finalement, c'est pas le cas. On n'est pas en sécheresse. Là-dessus, c'est un contresens, c'est contre-productif. Oui, on n'est pas en sécheresse. Alors, il y a moins d'eau qu'avant, hein. C'est un fait. Mais il y a toujours de l'eau en France. Là, récemment, les 2/3 de la France se sont quand même remplis sur le nord et centre France au niveau des nappes phréatiques. Il est tombé beaucoup d'eau, des inondations même inédites au Pas-de-Calais, etc. Alors, c'est moins vrai dans le sud de la France. Il y a pas une pénurie d'eau, mais c'est plus tendu. Les nappes phréatiques n'ont pas réussi à se remplir Complètement. Totalement. Voilà. Bon, c'est quand même un faux problème. C'est un problème politique. La situation. Enfin, moi, depuis qu'on parle de sécheresse, j'ai l'impression qu'il a jamais autant plu. Hein. Cette année, qu'est-ce qu'il a plu? On a quand même réussi à remplir la grande majorité des nappes phréatiques françaises. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un faux problème. C'est un problème politique. Nous, on le voit comme ça, hein, puisque bon, nous sommes. Nous payons notre visibilité nous sommes à la vue de tout le monde, nous payons notre visibilité. On aimerait avoir l'opinion des Français avec nous, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, puisque il y a l'écologie qui fait beaucoup parler d'elle, le monde écologique qui fait beaucoup parler d'elle, de lui, et ça peut justement influencer l'opinion publique vers l'écologie. Les gens sont un petit peu perdus, sont confus et au fait ne connaissent pas notre métier et ils ne savent pas justement que notre métier a des vertus et que nous faisons de l'écologie. Nous avons vraiment une part d'écologie importante qui est faite dans notre métier. Alors, expliquez-nous déjà en quoi vous êtes écologique et puis surtout, vous dites finalement c'est parce qu'on est visible qu'on a voulu nous couper la tête, entre guillemets. Pourquoi veulent-ils faire ces actions un peu coup de poing, un peu visibles à votre avis? C'est dans un esprit de communication soi-disant écologique? Oui, bon, c'est des raisons politiques avant tout. Hein. Donc, si vous préférez, quand on dit à un citoyen ne remplissez plus votre piscine, n'arrosez plus votre jardin, il ne va pas comprendre pourquoi un lavage auto est ouvert. Pour lui, le lavage auto, c'est pas le plus important. Et pourtant, il y a justement des fonctions vertueuses sur nos installations, des pollutions de véhicules. Il faut savoir qu'au bout d'une semaine sur un véhicule, il y a un film routier qui s'installe, vous avez 360 grammes de polluants, de boue polluée, d'hydrocarbures, de métaux lourds qui sont collés sur le véhicule et on ne les voit pas à l'œil nu, ça ne se voit pas forcément, mais au bout d'une semaine, c'est bien présent, c'est bien là. Alors, pourquoi attendre le retour de la pluie? Parce que la pluie, à un moment donné, elle revient. Pourquoi l'attendre? Il faut décontaminer, dépolluer les carrosseries des véhicules. Et nos centres de lavage professionnels font ce travail-là que la plupart des Français, des citoyens, ne savent pas. Donc, nous avons un rôle majeur de dépollution des véhicules puisque c'est boue, ça forme une boue. Il y a un cumul de toute cette poussière collée et décantée arrive dans des débourbeurs. Cette boue est retenue
Et bon, ça nous coûte cher forcément, puisqu'après nous devons la faire retraiter par des centres spécialisés. Ah oui, donc je me suis toujours demandé, c'est-à-dire que l'eau que vous récupérez quand vous lavez les véhicules, elle ne repart pas comme nous quand on nettoie notre véhicule dans notre cour. Quoi. C'est, vous la traitez, il y a un traitement des eaux. Exactement, ce que vous voulez te dire, au fait, c'est interdit de laver les voitures sur la voie publique, à domicile. Tout ça est interdit. C'est super important de savoir. Ah bon et les gens... Oui, vous faites bien de me le dire. Voilà, les gens ne le savent pas. Oui, c'est passible de donner une amende, même ça peut aller plus loin. Il est interdit de laver son véhicule à domicile et sur la voie publique. Il faut venir en centre professionnel pour décontaminer, laver ses véhicules. C'est un geste éco-citoyen, éco-responsable. Alors, surtout ce que vous voulez dire, et que je trouve très intéressant, vous dites finalement, nous, on est un peu... comme on est un peu en vitrine et visible, c'est nous qui sommes ici montrés du doigt. Nous sommes les vilains. Voilà, vous êtes les vilains, les petits canards de l'histoire. Ouais. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres activités industrielles, commerciales, etc., qui sont beaucoup plus consommatrices et consommatrices d'eau. Évidemment, on ne leur dit rien. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est qu'un effet de com', finalement. Ben voilà, là on dénonce donc cette rupture d'égalité, puisque comme vous dites si bien, il y a des commerces, des industries, des activités professionnelles qui continuent à fonctionner, alors que nous, on a une épée d'Amoclès et on sait qu'à tout moment, les autorités peuvent venir nous dire bon, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus d'eau, c'est la sécheresse. Nous devons laisser l'eau à des usages prioritaires, la consommation humaine, l'abreuvage des animaux. Voilà. Mais bon, dans la réalité des faits, ça se passe pas comme ça. On voit bien que il y a des activités qui pourraient tourner de façon plus réduite, avec une gestion de l'eau beaucoup plus stricte. Mais non, en fait, ça continue. Je veux pas trop stigmatiser. C'est un peu délicat. Donc Mais dans la réalité, c'est bien ça. Et, il y a de l'eau. Il y a des industries, des commerces qui restent ouverts et qui ont, notamment les industries. Qui sont très voraces en consommation d'eau. Oui, non mais bien sûr, après, justement, l'idée, c'est peut-être de ne pas rentrer dans ce jeu-là de la stigmatisation de celui qui consomme toujours plus d'eau, d'ailleurs, ni les particuliers qui arrosent leur jardin. On a peut-être d'autres choses à faire avant de commencer à pointer du doigt de l'interdiction les uns et les autres. Peut-être commencer à mieux contrôler tout simplement nos arrivées d'eau, la pluie, les nappes phréatiques, etc. Enfin, à mieux les entretenir. Ce serait peut-être aussi un sujet, par exemple, sur la collecte de l'eau. Vous souhaitez réagir là-dessus peut-être ? Oui, bon, je finis avec l'acheminement de l'eau qui rentre sur les installations. En fait, c'est comme quand vous prenez une douche, chez vous, prenez une douche, vous utilisez l'eau, vous l'utilisez et vous la restituez aux stations d'épuration. L'eau ne fait que passer, vous en servez pour vous laver, cette eau devient usée et on la restitue aux stations d'épuration. Et six jours après brassage des boues, il y a tout un process, on restitue l'eau, en milieu naturel. Nous, c'est pareil, on prend l'eau pour laver les voitures, et 95% de l'eau, traditionnellement, 95% de l'eau est restituée. Il y a 5% de boues qui sont gardées, stockées pour les revaloriser par la suite, pour faire de l'écologie. Mais le reste est rendu en station d'épuration. Et 14 jours après, l'eau est retournée en milieu naturel. Donc la question, c'était aussi, vous m'avez dit. Par exemple, un meilleur recyclage de l'eau peut-être, et aussi tout simplement un meilleur système de récupération des eaux. Oui, dans votre question, là, vous m'avez demandé. Voilà. En fait, nous, on est en train de compatir à ce que le gouvernement est en train de mettre en place. La réutilisation de l'eau usée, le gouvernement est en train de mettre en place à l'échelle nationale un process de réutilisation de l'eau usée. Bon, ça va mettre 10 ans, ça va coûter très cher. Il y a des fuites d'eau sur les concessionnaires des canalisations, des sociétés des eaux ont des fuites d'eau énormes sur 1 litre. Sur 100 litres, vous avez 20 litres d'eau qui sont perdus chaque seconde qui passent. Il y a énormément de fuites d'eau sur les réseaux d'eau potable. Mais nous, on ne comprend pas pourquoi on doit compatir à ça. Si le gouvernement décide de faire des travaux à l'échelle nationale, quelque chose de colossal, c'est sûr que ça va prendre des années. La réutilisation des eaux usées en sortie de station d'épuration,
sous certaines conditions. Les refaire plonger l'eau, au lieu de faire partir l'eau, vous avez des cours d'eau importants en France, je sais pas, la Seine, le Rhône, voilà. Toute cette eau est perdue, elle s'en va à la mer. L'État souhaite faire replonger une partie de cette eau dans les nappes phréatiques, mais nous, on n'a pas à compatir à ça. Ok, très bien, c'est super. Mais en attendant, on est puni, on est fermé, on est maltraité. Donc là, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Pour conclure, vous dites on est maltraité, vous demandez un assouplissement des mesures de restriction de consommation d'eau pour votre profession. Quelques chiffres justement sur la baisse de votre activité, c'est vraiment la catastrophe ? Il faut savoir que sur un centre de lavage auto, vous faites entre la période du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, vous faites 4 fois votre chiffre d'affaires, en gros entre 3 et 4 fois votre chiffre d'affaires de l'année. Donc notre trésorerie, elle se fait là, à ce moment-là. Donc si on vient nous fermer sur cette période, on peut pas avoir de trésorerie, on peut pas gagner en trésorerie, et on peut pas s'équiper de systèmes de recyclage qui sont tant demandés maintenant par le gouvernement. Tentons de mieux recycler l'eau des lavages automobiles, puisque comme vous le dites, il y a 95% qui peuvent être récupérés de cette eau, plutôt que de vous punir et de vous fermer, puisque de toute façon, la voiture doit être lavée, ou alors on interdit les voitures et on marche tous à pied. Mais bon, voilà. Oui, voilà. Donc nous souhaitons fortement un assouplissement des mesures de restriction concernant notre profession. Il y a un guide sécheresse qui sort chaque année. Le ministère de l'écologie édite un guide sécheresse. Dans ce guide sécheresse, on voit bien que nous sommes donc punis. Il y a plusieurs niveaux, si vous préférez, de gestion de l'eau, de crise. Il y a 4 niveaux. Au niveau 4, notre profession est à l'arrêt complet. Au niveau 4, en crise, voilà. Il ne faut pas confondre crise et pénurie d'eau. C'est deux choses différentes. Oui, donc l'eau est toujours là. L'eau est toujours là. Oui. Non, mais vous faites bien, en tout cas, de remettre tout ça au clair. Merci beaucoup, Pascal. Je rappelle que vous êtes président d'une fédération de laveurs automobiles dans le sud de la France et vous-même laveur automobile. On a bien compris, surtout dans le sud de la France, les difficultés. Et surtout, il est bon aussi de remettre un peu les choses au clair. Finalement, vous ne dépensez pas d'eau puisqu'elle est recyclée, qu'elle est régulée et que justement, vous demandez à mieux travailler pour pouvoir mieux recycler cette eau. Donc, tout est assez cohérent. En tout cas, Pascal, pour ce toxin sonné ici sur Tocsin. Et puis tout de suite, nous retrouvons François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire et Républicaine, et candidat aux élections européennes. Évidemment, on va parler des européennes avec lui, mais de la crise des agriculteurs, la crise des Français en général, et bien Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des Français en Ukraine. Évidemment, question qu'on posera à François Asselineau d'ici 1 à 2 minutes. Bonne année, tous mes vœux. Réveillez-vous les Français et allez bosser. En 2024, les vérités vont finir par ressortir. Ce que vous racontez sur le vaccin, c'est une bombe atomique. Vous savez, ceux qui donnent des leçons de morale à tout le monde. Ouais. C'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Ça sentait le soufre quand même, parce que c'est la saison de la chasse. Oui, qui sait qu'a enlevé les barrières pour que les loups puissent s'introduire dans la bergerie. Derrière cette crise, il y a des enjeux géopolitiques. J'ai espoir quand même des médias comme le vôtre, un peu alternatifs, un peu plus libres, continuent à diffuser ce type d'informations. C'est à nous de faire pression plus que jamais, ça doit nous donner du baume au cœur dans le combat. Peut-être ça fera effectivement l'effet boule de neige. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Bonne année à tous nos auditeurs et tous mes vœux pour 2024. Il n'y a rien à rajouter. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et elle a volé aujourd'hui. Je suis très heureuse de recevoir François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Oudiakova et bonjour à tous vos auditeurs. Merci, bonjour à vous. Et je rappelle, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, que vous êtes président de l'Union populaire et républicaine et surtout candidat aux élections européennes. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, parlons des Français, parlons notamment des agriculteurs, les pays de la France, ceux qui nous nourrissent, qui sont au plus mal depuis d'ailleurs bien longtemps. Mais on en parle plus puisque eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme. Ils ne peuvent plus supporter leurs conditions de vie et de travail. Beaucoup se suicident et de plus en plus d'accords bilatéraux, notamment avec l'Ukraine, font qu'ils sont totalement mis sur le banc de notre société, ne peuvent vraiment plus tenir ce rythme. On a vu l'accueil offert à Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Donc, il y a crise. Comment régler cette crise et comment aussi, expliquez-nous, selon vous, les phénomènes de cette crise ?
Alors, j'étais hier au Salon de l'agriculture, j'ai passé toute la journée. Vous avez passé un bon moment, contrairement à Emmanuel Macron. Ah oui, oui, oui. Oui. Alors, il y a quelque chose quand même, que ça fait quand même 17 ans que j'ai créé l'UPR, que 17 ans que je vais au Salon de l'agriculture. J'y allais même auparavant, d'ailleurs, lorsque j'étais auprès de Charles Pasqua, donc dans le cadre du RPF. Depuis 17 ans que j'ai créé l'UPR, les esprits ont évolué d'une façon absolument considérable, et notamment au cours des 5 dernières années. Vous savez qu'il y avait, en début des années 60, 2 700 000, 2 800 000 exploitations agricoles en France. On est tombé à 380 000. Depuis des années, je sonne le tocsin, si j'ose dire, pour vous faire plaisir, sur le fait que c'est toute l'agriculture familiale qui est condamnée par les traités européens. Lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017, je l'avais dit, on m'avait brocardé parce que j'avais cité notamment les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, dans les grands médias, on me brocardait parce que je connaissais trop bien mes dossiers. Et je me rappelle qu'il y a encore 6 ou 7 ans, quand j'allais au Salon de l'agriculture, il y avait très peu de gens qui me connaissaient et puis on m'écoutait poliment, mais bon, ils avaient comme arrière-plan l'Union européenne nous finance, etc. Le changement est complet. Maintenant, pour remettre les choses au clair, c'est intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle peu dans cette crise des agriculteurs. Finalement, vous voulez dire que même les agriculteurs, après, on parle de ceux qui étaient au salon. Hein. C'est souvent d'ailleurs ceux qui réussissent le mieux parce que les autres n'ont pas le temps finalement de faire le voyage et pas l'argent non plus. Donc, vous dites que ceux qui étaient au salon ces dernières décennies étaient plutôt convaincus que l'Union européenne leur apportait quelque chose. Absolument, que l'Union européenne leur apportait quelque chose, que certes, il y avait des règlements qui étaient parfois un petit peu embêtants, etc., fastidieux, mais globalement, heureusement que l'Europe était là pour les financer, etc., et puis l'Europe, c'était la paix, l'Europe, c'était le bien-être, etc. Or, tous ces narratifs se sont effondrés. Et se sont effondrés non seulement en matière agricole, mais sur des autres sujets, notamment sur la paix, qu'on va en parler. Quand je vais au Salon de l'agriculture, comme tout le monde, je rencontre non seulement les gens qui ont mais aussi le public. Et dans le public, il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a plutôt des fils ou des cousins ou des cousines d'agriculteurs ou des gens qui ont quitté l'agriculture et qui continuent à venir. Et je ne veux pas exagérer, mais j'ai eu un bon accueil, même un très très bon accueil, avec notamment un taux de notoriété pour ma personne qui a considérablement augmenté. Il y a peut-être 30%, 40% des gens qui me reconnaissaient. Certains sursautaient, n'allaient pas me voir, mais beaucoup sont venus me voir avec des selfies et puis pour me parler de la sortie de l'Union européenne et surtout pour dire, en fait, c'est vous qui aviez raison depuis 17 ans. Voilà. Donc là, il y a un changement. Il y a eu une ouverture des mentalités, changement de mentalité, mais depuis quand? Qu'est-ce qui a fait? Je pense qu'il y a eu toute cette succession de coups de boutoir sur les grands narratifs qu'on avait enseignés aux gens. D'abord, je suis désolé de le dire, mais mes analyses depuis 17 ans, elles ont quand même largement percolé dans la société française. Notre chaîne de télévision UPR TV a dépassé les 94 millions de vues cumulées. Donc c'est quand même, vous savez que la chaîne de télévision d'Edouard Philippe, elle est à 67 000 vues. En cumulé, nous on est à 94 millions de vues. Donc y a, par exemple, l'idée selon laquelle l'Europe nous finance, c'est une idée maintenant que beaucoup d'agriculteurs ont compris que c'est pas vrai. On comprend que c'est la France qui donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit, et donc si on sortait de ça, on aurait non seulement on pourrait continuer à financer directement les agriculteurs, mais en plus de ça, on aurait des milliards supplémentaires. Mais il y a eu aussi d'autres phénomènes. Il y a eu l'affaire du Covid, qui a d'un seul coup, les agriculteurs, comme le reste des Français, ont compris ça n'était pas clair, qu'il y avait des magouilles qui se passaient à Bruxelles, que les contrats de Mme von der Leyen avec Pfizer, tout ça ne sentait pas bon, que les libertés publiques étaient attaquées, que les gens n'avaient plus le droit de disposer de leur propre corps, donc tout ça était quand même, ça a choqué. Et puis, il y a l'affaire de l'Ukraine. Et alors, quelque chose qui est absolument ravageur, c'est les subventions données à l'Ukraine. J'ai fait un tweet il y a quelques temps où j'ai fait remarquer que les 3 milliards d'euros supplémentaires que Macron a promis à Zelensky, c'était 20 fois les 150 millions d'euros qu'il avait promis aux agriculteurs. Et ça, tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans les stands ou que ce soit dans le public, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, on n'a pas, comme le dit Chevènement ces jours-ci, là, on n'a pas élu les Français n'ont pas élu Vladimir Zelensky comme président de la République. Donc, il y a un sentiment d'injustice considérable. Voilà. Et puis, les gens comprennent aussi que ça va plus, quoi. L'élargissement avec maintenant une dizaine de nouveaux États, même la FNSEA, qui est quand même le soutien absolu de la politique agricole commune depuis le début, a dit quand même, a tiré la sonnette d'alarme en disant, si l'Ukraine entre dans l'Union européenne,
européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Ouais. Et donc, il y a maintenant un sentiment, je pense que ça, il faut comprendre le sentiment des agriculteurs familiaux, je parle, ouais. C'est le sentiment qu'ils sont condamnés à mort. Voilà. Il y a, je crois, 30 000 ou 40 000 exploitations qui disparaissent tous les ans. Et ça, ils ont le désespoir. C'est la réaction, la façon dont Macron a été accueilli, c'est la marque d'un désespoir considérable. Je ne comprends pas de ce côté-là, François Asselineau, parce que vous le dites, et moi, je suis très, très concernée par la cause des agriculteurs depuis toujours. Les agriculteurs ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron. Comment on explique ce paradoxe? Je pense que c'est un travail assez dur, le travail d'agriculteur. Je pense qu'ils passent beaucoup de temps à s'occuper de leur exploitation, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans... Et ils ont, je pense, comme beaucoup de Français, surtout en zone rurale, ils ont recours aux grands médias. Mmh. Le phénomène d'aller sur des médias alternatifs comme vous, ou Radio Courtoisie, vous connaissez bien, ou TV Liberté, enfin les quelques médias qui font, et je vous remercie de m'inviter parce que vous faites vraiment un travail de salubrité publique, mais ça c'est encore quand même un peu un phénomène des citadins, des grandes villes, des banlieues, mais dans la France profonde, il y a encore énormément de gens, surtout les personnes un peu âgées, qui regardent TF1 et BFM et qui recrachent ce qu'ils ont entendu. Et ce qui est nouveau quand même, c'est que justement maintenant, même les médias alternatifs commencent à percoler dans ces même les médias mainstream, vous voulez dire les médias alternatifs comme vous, même ça, on commence maintenant à voir. J'ai vu beaucoup de gens, des agriculteurs, qui m'ont dit je vous suis, je veux vraiment continuer. Alors il y a un mais. Le mais, c'est que les gens, je vois bien que les gens qui, beaucoup, beaucoup de gens de témoignages de vraiment de grande sympathie, que j'apportais énormément de choses, etc. Mais il y a un mais, c'est que c'est l'ombre du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y avait au même moment que je suis allé hier au Salon d'agriculture, vous aviez ce pauvre Castex qui déambulait tout seul dans les rues, plus personne ne le connaît. Madame Elisabeth Borne, semble-t-il, est passée comme une ombre. Il devait être, à mon avis, plutôt content d'être tranquille. Il ne fallait pas qu'il vienne là. C'était un peu pitoyable. Donc moi, en revanche, j'avais quand même pas mal de gens qui venaient, qui me serraient la main, etc. Puis j'ai toujours très, très bien été accueilli, y compris dans des fédérations professionnelles, comme la pomme, la tomate, la banane, etc. Où ils m'ont raconté d'ailleurs tous, et là aussi c'est nouveau, à quel point, sur des sujets très, très concrets, les handicaps que posent par exemple les réglementations européennes. C'est actuellement, par exemple, j'ai été reçu par le président de Saveol, vous savez, qui font des petites tomates cerises. Ils sont extraordinairement concurrencés par les mêmes tomates cerises qui viennent du Maroc, dans un accord de libre-échange où le gouvernement français ne peut absolument rien faire pour les protéger. Il y a même 3700 emplois qui sont menacés en France. Pourquoi on fait des accords de libre-échange à tout va, comme ça, qui servent toujours les autres et jamais nous? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le problème du paradoxe européen. Il n'y a pas d'intérêt européen. Si vous êtes suédois, si vous êtes finlandais, danois, vous fichez. Mais l'Ukraine, c'est même pas européen, c'est français. Oui, non, mais si vous êtes dans un pays du Nord, vous fichez que les tomates soient produites au Maroc ou en France. Si elles sont 5 fois ou 10 fois moins chères au Maroc, vous prenez le Maroc. Tandis que les Français, ils ont un intérêt fondamental à défendre leur emploi et leur production. Donc, il n'y a pas d'intérêt européen. C'est toujours le même paradoxe. Hein. Comme disait Bismarck, wer von Europa spricht, hat Unrecht. C'est-à-dire, qui parle d'Europe ment. Ça n'existe pas. C'est un concept faux. Chaque État a ses propres intérêts et des intérêts divergents. Et actuellement, on favorise d'une façon éhontée l'Ukraine au détriment de la France pour des raisons géopolitiques qui sont d'ailleurs décidé outre-Atlantique. Alors, si je voulais revenir à ce que je disais, c'est que le succès que j'ai eu n'est rien par rapport à l'insuccès qu'a eu Emmanuel Macron. Oui, à l'insuccès. Alors ça, je n'ai pas vu une seule personne qui ait dit du bien de Macron. Il est vraiment considéré même comme un... Enfin, les gens ont des mots très, très violents, hein, comme un cinglé, comme un salaud, comme quelqu'un qui nous emmène à la guerre. Enfin, on va en reparler sans doute tout à l'heure. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est l'hypermédiatisation du Rassemblement national. Oui. Et donc... Ça vous gêne. Ben oui, parce que... Hypermédiatisation, vous voulez dire... Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de débat. Le fait qu'il soit très apprécié ou le fait que les médias jouent le jeu de la médiatisation? Le fait qu'on présente et les agriculteurs, malheureusement, vont retomber dans un nouveau panneau, après être tombés dans le panneau... Vous considérez que c'est un panneau? Ah oui, c'est un faux opposant. Écoutez, pourquoi? Moi, normalement, par exemple, il y a un syndicat qui s'appelle la Coordination Rurale qui me recevait régulièrement. Cette année, on ne m'a pas reçu. Et il y avait quoi? Au moment où j'y étais, il y avait un débat avec Madame Edwige Diaz du Rassemblement National, il y avait un autre débat avec Monsieur Julien Oudoul du Rassemblement National.
Voilà. Et avec des médias qui étaient là, il y avait tous les grands médias mainstream qui étaient là à faire mousser ça. Donc, ça veut dire qu'actuellement, loin d'être un opposant, M. Bardella... On nous installe, de toute façon, on nous installe déjà le duel Attal-Bardella. Oui. Et puis, s'il faut bien comprendre, et ça, je m'adresse ici à toutes les personnes qui m'écoutent, c'est que la stratégie de l'oligarchie qui tient les grands médias a fait son choix. Ils ont décidé que ça va être le phénomène Meloni. C'est-à-dire, comme en Italie, on fait croire aux Français que le Rassemblement national, ce serait terrible. Ce serait plutôt Éric Zemmour, elle est plus identitaire. Ouais, c'est du pareil au même, si vous voulez. C'est-à-dire que dans tous les cas, on fait croire aux Français, on raconte régulièrement que le Rassemblement national, ce serait l'extrême droite qui fait très peur. Les mêmes, d'ailleurs, qui disent ça, Macron ou bien le Renaissance, qui par ailleurs se sont arrangés pour que M. Chenu, par exemple, ait un poste de vice-président à l'Assemblée nationale. Tout ce petit monde rigole à la buvette de l'Assemblée nationale. C'est un théâtre d'ombre. En réalité, Monsieur Bardella, je suis désolé de le dire, mais j'aimerais qu'on ait un débat sur le fond. C'est exactement Macron. C'est un Macron 2.0. Voilà. Et Madame Marion Maréchal, c'est Mélanie 2.0. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'attaquent à rien de ce qui est structurel. Monsieur Bardella, comme Madame Marion Maréchal, sont pour l'Union européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, pour l'Ukraine, contre la Russie, etc. Ouais, il me semble que le groupe que rejoindrait le parti Reconquête est anti-PAC, par exemple. Il y a quand même des éléments... Reconquête, c'est Madame Marion Maréchal a proclamé quasiment sa flamme à Madame Meloni. Je rappelle que Madame Meloni, moi je suis allé en Italie il y a 3 semaines, on a signé un accord avec un nouveau mouvement politique qui s'appelle Democrazia Sovrana e Popolare et qui est un peu un clone de l'UPR. Je veux vous dire qu'en Italie, il y a énormément d'électeurs de Madame Meloni qui se sentent complètement trahis. Madame Meloni s'est fait élire. On ne peut pas appliquer ce qui s'est passé à l'Italie à un choix politique français qui n'est pas encore arrivé. On ne peut pas faire de la prédiction de. Mais si, justement, c'est justement ça que c'est tout l'intérêt d'une analyse politique, c'est ça. Lorsque Tsipras en Grèce était devenu premier ministre en 2016, j'avais été le premier, le seul à dire vous allez voir, les Grecs vont se sentir floués. Pourquoi? Parce qu'ils restaient dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN. Donc vous dites. Voilà. Et quand Madame Meloni est arrivée présidente du Conseil, j'ai dit la même chose. À droite, vous aviez Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Zemmour, etc., même Monsieur Ciotti. Mais attendez, parce que Dupont-Aignan, c'est pas la même chose. Non, ils avaient tous dit qu'ils étaient formidables, que Madame Meloni, c'était enfin un grand changement. J'avais été le seul à dire, vous allez voir dans 6 mois. Pourquoi vous fondiez pour annoncer le retournement de veste de Giorgia Meloni? Mais parce qu'à partir, si vous voulez, ce sont des cases à cocher. À partir du moment où vous dites que vous êtes pour l'Union européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes obligé au changer sens... de l'intérieur, faire évoluer en expliquant que la France a quand même un certain pouvoir au sein de l'Union européenne. Oui, c'est le grand bobard de l'autre Europe qui ça fait des j'ai expliqué que l'autre Europe ça ne peut pas exister. L'Europe des nations. Oui, je vois des gens qui disent ça, on va faire un rapport de force. La Hongrie, avec la Hongrie, non? Regardez la Hongrie s'est couchée sur l'OTAN, la Hongrie a fait entrer la Suède. Monsieur Orban, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il joue un petit peu les poils à gratter, mais au dernier moment... Il arrive quand même, quand on regarde l'état de la Hongrie, il arrive quand même à remonter la pente, la natalité qui remonte. Alors, il a une politique nataliste, c'est exact, qui est, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, mais fondamentalement, la Hongrie est embarquée dans le même bateau. Je vais prendre un exemple dans l'autre sens. Alors, je voulais qu'on continue sur les agriculteurs, mais on va le faire après. D'accord pour l'exemple de Giorgia Meloni, mais quand vous regardez, si vous dites, ok, il faut absolument décocher autant UE, je ne sais plus ce que vous avez dit d'autre, pour qu'on puisse faire quelque chose, mais quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit, vous voyez bien que finalement, aujourd'hui, l'Angleterre n'est pas non plus la nation souveraine et qui remonte la pente comme on aurait souhaité, comme on aurait pu l'imaginer. Alors, il y a trois choses à dire. Parce que peut-être que ce n'est pas qu'une question aussi de méthode et de Brexit ou de Frexit. Alors, il y a quand même trois choses à dire sur l'affaire Brexit. La première, c'est qu'on fait croire aux Français que ce serait une catastrophe, le Brexit. C'est ça, un mensonge. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tous les indicateurs macroéconomiques sont meilleurs au Royaume-Uni qu'en France, à commencer par le chômage. Peut-être l'arrivée des migrants, etc. Enfin, finalement, on voit que les choses annoncées et les... Oui, mais la protection de la nation n'est pas forcément assurée. Attendez. Déjà, ce que je disais, c'est qu'en matière économique, c'est mieux. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'il faut vraiment... C'est mieux ou ça pourrait être mieux, il faut attendre un peu. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que le Brexit
n'a pas totalement eu lieu, n'a pas vraiment eu lieu. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a eu un référendum. Les Anglais ont voté pour le Brexit. Et ensuite, qui est-ce qui a mis en œuvre ? L'oligarchie qui est contre le Brexit. C'est un peu comme si en France, il y a des gens qui disent qu'il faut faire un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais imaginons que les Français votent oui pour le Frexit, ce que d'ailleurs avait pronostiqué Macron lui-même en 2018 lorsqu'il était rendu au Royaume-Uni. La BBC lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Il disait qu'il penserait que les Français voteraient pour le Frexit. Ça a été complètement enlevé d'Internet. Il y a eu du nettoyage parce qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Mais imaginons qu'il y ait un référendum, qu'il y ait une majorité de Français qui votent pour le Frexit. Qui est-ce qui mettrait en œuvre ça ? Macron et Attal. C'est ça qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont les représentants. Normalement, le Brexit aurait dû être mis en œuvre par Nigel Farage. Il a été mis en œuvre par des gens qui fondamentalement sont représentants de la grande bourgeoisie conservatrice britannique qui fondamentalement n'est pas tellement d'accord. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième point. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, il y a des centaines de lois qui ont été imposés au Royaume-Uni venant des directives européennes qui n'ont toujours pas été abrogées. Ça veut dire également un troisième point fondamental. Mais sur le contrôle migratoire, par exemple. Attendez, troisième point fondamental, c'est que le Royaume-Uni reste dans l'OTAN. Nous, on a bien dit qu'on voulait sortir de l'OTAN. Donc, le Royaume-Uni reste dans l'OTAN, et pas des moindres, puisqu'on sait que c'est Boris Johnson lui-même qui a fait capoter le projet de paix en 2022 entre l'Ukraine et la Russie. Et ils sont donc partie prenante aux sanctions contre la Russie, avec les effets négatifs que ça peut avoir. C'est pour ça que le Brexit, même si la situation est meilleure actuellement qu'en France, il faut bien comprendre que le fait de sortir de l'Union européenne n'est pas en soi un gage de réussite parfaite si vous n'avez pas quelqu'un qui mène les politiques appropriées. Oui. Donc la différence, vous parlez de l'immigration. Vous savez que l'immigration, par exemple, la grande différence entre le Royaume-Uni et la France, c'est que le Royaume-Uni peut décider maintenant librement de sa politique migratoire. Mmh. Et donc, ils ont décidé quoi ? Ils ont décidé, notamment la ministre qui était chargée de l'immigration, ministre de l'Intérieur, qui était elle-même d'origine immigrée, puisque souvent, ce sont les personnes d'origine immigrée qui sont les plus dures contre les nouveaux migrants, qui avait signé un accord pour envoyer au Rwanda, en Afrique de l'Est, les migrants qui sont arrivés au Royaume-Uni. Mais qui est-ce qui a fait capoter ça ? En fait, c'est à la Chambre des communes et à la Chambre des Lords, ce sont des Britanniques qui, motivés par je ne sais pas quelle idéologie, ne veulent pas justement que cet accord se concrétise. Oui, mais donc on arrive au problème, c'est-à-dire que le Brexit n'est pas la panacée. C'est le point fondamental sans lequel rien n'est possible. Parce que nous, de toute façon, en France... Mais c'est la question de l'œuf ou de la poule, si vous voulez. Il faut avoir quelque chose qu'on veut défendre et une certaine idée de la France, pour parler de la France, ou une certaine idée de l'Angleterre, pour pouvoir ensuite mettre en place la méthodologie. Non, il faut d'abord commencer à être libre, pour ensuite... C'est comme il y a des gens, je me rappelle... Oui, mais si vous êtes libre et vous faites n'importe quoi... Mais c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ensuite... Mais je parle pas de la France, je parle pas de non, vous. Non, mais par exemple, écoutez... Vous avez des gens style Zemmour, Marion Maréchal ou Bardella qui nous expliquent qu'on va voir ce qu'on va voir quand ils seront là en matière migratoire. Mais ils feront la même chose que Mélanie. C'est-à-dire que Mélanie, elle a été élue par les Italiens sur le thème plus d'immigration. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'elle va faire passer, elle va donner 452 000 titres de séjour à des nouveaux migrants au cours de l'année 2024. C'est-à-dire qu'elle fait augmenter l'immigration par rapport à Mario Draghi. Pourquoi il en est ainsi ? Parce que à partir du moment où vous restez dans l'Union européenne, vous êtes obligé, au sens fort, obligé, c'est-à-dire par la loi, obligé d'appliquer les traités européens, donc notamment Maastricht. Et notamment Schengen. Et par sa dette aussi. Alors par la dette, bien sûr. C'est-à-dire que vous savez que c'est quelque chose qui est largement caché. Sur les questions migratoires, puisqu'on en parle. Il y a eu en 2023 3 850 000 nouveaux migrants qui sont venus s'installer en Union européenne. Mais là-dessus, vous en avez 350 000 qui sont des migrants illégaux et 3 500 000 qui sont des migrants légaux. C'est-à-dire que 90% des migrants qui viennent s'installer en Union européenne chaque année sont des migrants légaux, c'est-à-dire qu'ils ont des titres de séjour qui sont donnés par un des 27 pays. Et ensuite, avec l'espace Schengen, ils circulent librement. C'est-à-dire que si vous restez dans l'Union européenne, je vois que souvent le Reconquête se focalise sur le SOS Méditerranée, etc., les migrants illégaux, mais c'est 10%. C'est 90% sont des migrants légaux qui viennent s'installer en Union européenne.
chaque année. Et la politique de la Commission européenne, c'est de monter à 4 millions de migrants légaux par an. Ça veut dire une France de nouveaux migrants dans l'Union européenne tous les 16 ans. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parmi ces migrants, un certain nombre viendront s'installer en France. Donc vous ne pouvez pas sortir de Schengen, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire un rapport de force, parce que comme vous l'avez dit vous-même, comme nous sommes dans l'euro, comme en plus de ça les pays du Sud ont des dettes considérables, justement parce que l'euro les pénalise, eh bien il suffit d'avoir un coup de téléphone de pression de la Banque Centrale Européenne en disant attention, attention, si vous ne filez pas doux, on va arrêter de racheter sur le marché secondaire des obligations. Et quand on voit l'état de la dette française, voilà. Je sais qu'on est tenu. Et donc vous allez avoir les taux d'intérêt qui vont exploser. C'est pour ça que c'est un tout, si vous voulez. Mais alors, si on continue un tout petit peu votre scénario, on se dit, OK, on se lance dans le vide, Frexit, mais après, on sait très bien, on a vu comment ça s'est passé avec l'Angleterre, d'ailleurs. Hein. Tous les pays leur ont tourné le dos, exprès aussi, hein, pour les punir de ce Brexit et empêcher de signer des contrats. On aura la même chose, nous, Français. Non. Ça, c'est, à part peut-être la Suisse. Non, ça fait partie des légendes urbaines. Le Royaume-Uni a signé des accords de coopération avec d'abord l'ensemble, beaucoup des pays du Commonwealth, rien moins que l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Canada, etc. etc. Donc, ça fait partie des légendes. Il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où on serait sorti de l'Union européenne, on deviendrait comme au Carmel, on serait enfermé, on serait coupé du reste du monde. Mais qui a jamais dit ça ? La Suisse, elle exporte considérablement vers les pays de l'Union européenne. Donc, la France continuera à exporter vers les pays de l'Union européenne et vers le reste. Donc, il faut arrêter de croire. La Nouvelle-Zélande, elle a signé un accord de libre-échange, elle appartient à l'Union européenne. Donc, il faut arrêter. Vous savez très bien comment fonctionne l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne d'Ursula von der Leyen, je ne suis pas sûre qu'elle voit comme une amie la France du Frexit. L'Union européenne est traversée de conflits considérables. On voit que on est dans l'Union soviétique finissante, c'est-à-dire que ça tire à hue et à dia, même plus que l'Union soviétique, c'est le camp socialiste finissant. Et on voit bien que tout ça est en train de partir. Alors, quand va arriver la chute du mur de Berlin ? Ah, alors ça, c'est nul ne sait le jour ni l'heure, hein, comme on dit dans les Saintes Écritures, mais on sait bien que tout ça ne tient pas la route. On l'a vu d'ailleurs sur l'affaire de la déclaration intempestive de Macron sur l'affaire ukrainienne. Donc, on voit bien que, je reviens à la citation de Bismarck de tout à l'heure, un intérêt européen, ça n'existe pas. Voilà. Il y a des intérêts nationaux et pendant 60 et quelques années, on a fait croire qu'il y avait un intérêt européen commun, mais ça n'est pas vrai. L'intérêt, par exemple, je parlais de mes tomates, l'intérêt des pays du nord de l'Europe, ça n'est pas d'acheter 10 fois plus cher ou 5 fois plus cher les tomates françaises par rapport aux tomates marocaines. Non, l'intérêt des gens, c'est d'acheter une tomate marocaine moins chère quand on est dans un pays qui ne produit pas de tomates. Voilà. Et c'est la même chose sur tous les sujets. Je me rappelle quand j'étais aux affaires, il y avait une négociation commerciale multilatérale qui avait été engagée par les Britanniques, puisque les Britanniques souvent se plaçaient aux bons endroits. Et donc, il avait été échangé la suppression des quotas textiles chinois, c'est-à-dire que désormais la Chine pourrait envoyer tout ce qu'elle voulait comme produits textiles en Union européenne. Et c'était échangé par le négociateur britannique Sir Leon Brittan à l'époque, c'était échangé par l'ouverture du marché chinois à la compagnie Lloyd's, la compagnie d'assurance britannique. C'est-à-dire que vu de Londres, c'était formidable, c'était gagnant-gagnant. Ils imposaient la plus ancienne compagnie d'assurance du monde, les Lloyd's, qui remonte à 1570 ou quoi, quelque chose comme ça, en Chine, donc sur les marchés financiers, sur les produits financiers, donc c'était des produits d'avenir. Et par ailleurs, les Anglais pouvaient importer tout ce qu'ils voulaient à très bas coût de produits textiles venus de Chine, ils n'ont plus d'industrie textile. Donc c'était gagnant-gagnant pour les Britanniques. Mais par exemple, pour les Français et les Italiens, nous, c'était perdant-perdant, parce qu'on voyait passer le train des assurances britanniques à les installer en Chine, et nous, on avait des compagnies d'assurance qui n'en bénéficiaient pas, et par ailleurs, on détruisait notre propre industrie textile. Oui. Donc Une question juste à ce sujet, François Asselineau, parce que vous avez tout à fait raison, j'ai l'impression que les Français sont toujours les grands dindons de la farce. Oui. Parce qu'on peut se dire qu'il y a aussi des pays comme l'Allemagne qui savent tirer l'intérêt de l'Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas rester dans cette Europe, mais savoir tout simplement profiter du système, comme font d'autres pays. Oui, mais alors là, on touche du doigt autre chose que j'explique depuis des années, c'est que les peuples sont différents. Nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas la même religion, la même langue, la même histoire, la même anthropologie sociale, les mêmes traditions politiques, etc. Nous, la France, on fait partie des pays
j'allais dire formés pendant des siècles par le catholicisme romain, c'est-à-dire des pays de dogmes. Oui. C'est-à-dire que chez nous, les Français, ils aiment bien avoir des idées générales. Vous savez ce qu'avait dit Jean-Jacques Rousseau un jour, il avait dit « les idées générales sont la source des plus grandes erreurs des hommes ». Donc en France, si vous voulez, on dit « oh ben l'intendant suivra », etc. Et puis on a une vision de l'avenir, on se dit « je dois être un grand Européen, donc je vais… » Et on prend des décisions qui sont contraires à l'intérêt national. Je le rappelle, dans une interview récente, c'était Sir Christopher Soames, qui était le gendre de Churchill, qui était ambassadeur du Royaume-Uni en France sous De Gaulle, qui avait eu cette parole que vraiment tous les auditeurs devraient méditer. Il avait dit « il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. » Voilà. Génial. Voilà. Les pays du nord de l'Europe sont des pays qui ont rejeté le magistère. Oui, ont rejeté le magistère de Rome à la Renaissance. Des pays qui sont devenus protestants. Protestant, ça ne veut pas dire protester, ça vient de protestare en latin, qui veut dire témoigner. Témoigner de quoi? Des saintes écritures. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très, très pragmatiques, qui sont revenus après Luther, ils ont regardé les saintes écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils se sont aperçus que l'achat des indulgences, comme sous les Borgia, c'est-à-dire en moyennant finance, on était sûr d'aller au paradis, ben tout ça, c'était de la foutaise, ça n'existait pas dans les saintes écritures. Donc, ce sont des gens qui voient très, très précisément, très concrètement leurs intérêts. Et effectivement, plus vous montez vers le nord, plus vous avez des peuples qui ont rejeté d'ailleurs cette affaire. En fait, regardez les pays vikings. Mais pour compléter ce que vous dites, finalement, vous critiquez notre vision universaliste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Français, il y a ce côté, effectivement, le coq gaulois, vous savez, qui fait cocorico avec les pattes qui sont dans le tas de fumier. Les lumières, hein, quand même, oui, aussi. Beaucoup, les Allemands, par exemple, brocardent souvent la superficialité française. On est le coq gaulois. On retrouve d'ailleurs, on va peut-être parler de l'affaire de l'Ukraine. Oui. Si, on va en parler, oui. Voilà. Actuellement, par exemple, vous savez, j'invite les auditeurs qui sont intéressés par l'histoire à essayer de relire ou de s'informer sur la façon d'un des plus grands désastres historiques de la France, de toute son histoire, c'est la guerre de 1870, qui a été un désastre absolu, qui a fait la chute du Second Empire et qui a amené la partition, enfin l'Allemagne bismarckienne qui a mis la main sur l'Alsace et la Moselle, ce qui a été une pomme de discorde qui nous a mené à la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est de revanche des Allemands. C'est un désastre absolu. Comment est arrivée la guerre de 1870? Alors, racontez-nous. Ben ça, c'est vraiment fondamental et Macron, il ferait bien d'y réfléchir. Ça s'est produit dans un contexte général où le régime de Napoléon III était contesté à partir de 1864-65. Il y avait quand même des mouvements républicains. Donc, il y avait déjà un mauvais sentiment. Deuxièmement, Napoléon III avait réussi à se mettre à dos un peu tout le monde. Il avait un peu négocié avec Mitterrand qui voulait mettre la main sur une partie de la Belgique et du Luxembourg. Bismarck avait ensuite filé l'information aux Belges ou les Luxembourgeois. Donc, du coup, les Belges et les Luxembourgeois avaient dit bah, « ils sont en train de nous faire un enfant dans le dos ». La diplomatie brouillonne qui nous avait brouillé avec tout le monde. C'est exactement la diplomatie de Macron. Ensuite, il y a eu une espèce de volonté comme ça de jouer les cocoricos et de se dire qu'on allait empêcher la Prusse d'encercler la France parce qu'il y avait une succession au trône d'Espagne, il y avait un Allemand qui avait fait savoir qu'il était partant pour être sur le trône d'Espagne, je crois que c'était un Hohenzollern Sigmaringen, et puis qui finalement avait dit « bon d'accord, je ne le prends pas ». Et c'est arrivé à ce moment-là, ce qu'on a appelé la dépêche d'Ems, c'est-à-dire que Bismarck, qui était un type très intelligent et qui avait dit de Napoléon III, c'est une grande incompétence méconnue, Bismarck avait dit on va aller secouer le chiffon rouge devant le taureau français. Il a fait une dépêche suite à un pseudo-incident diplomatique entre l'ambassadeur de France, comte de Benedetti, et le prince, enfin le roi Guillaume de Prusse, qui s'était passé à Bad Ems, donc dans une ville d'eau, où il y aurait eu le roi de Prusse n'aurait pas très, très, très bien l'ambassadeur de France, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Ça a échauffé les esprits. Et les esprits français ont dit « on va faire la guerre à la Prusse ». Voilà. Sans se rendre compte de l'état de la situation.
C'était une espèce de propos comme ça en l'air, superficiel. Là, vous faites un parallèle avec Emmanuel Macron et sa entre guillemets, déclaration de guerre. En tout cas, je n'exclus pas d'envoyer des hommes. On est dans la même situation. Vous savez que le 18 juillet 1870, lorsque la France déclare la guerre à la Prusse, on a 265 000 hommes sous les drapeaux, c'est-à-dire une espèce d'armée de métier. Les Allemands en ont 500 000. Et avec les conscrits, on arrivera progressivement jusqu'à 800-900 000, pendant que ça, les Allemands seront à 1,2 million. Les Allemands, en plus de ça, viennent de battre le Danemark en 1864, viennent de battre l'Autriche en 1866 avec la bataille de Sadowa. Oui, donc super entraînés. Ils sont très entraînés, alors que la France est complètement désemparée. On a été battu au Mexique. Donc, on est dans la même situation face à la Russie en ce moment, est super entraînée. Mais vous pensez vraiment, vraiment, sérieusement, vous pensez, deux choses, que, Emmanuel Macron veut vraiment faire ça, ou c'est juste pour faire contre-feu diversion de son chaos au salon de l'agriculture? Et deux, est-ce que, si jamais c'était sérieux, est-ce qu'il peut vraiment envoyer des troupes? Et est-ce qu'on peut vraiment se retrouver sur le front, frontalement, face à la Russie? Alors j'espère que l'armée française, que les plus hauts gradés, que les états-majors, sont isolés. Oui, mais complètement isolés. Écoutez, moi on a quand même Kouchner. Il a sa petite armada à côté de lui. Oui, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Tenzer qui a table ouverte sur France Info. Il a eu droit à 33 minutes pour expliquer aux Français qu'il fallait envoyer des troupes. Qui est ce monsieur Tenzer d'ailleurs? Il appartient à un think tank qui s'appelle CEPA, qui est financé par tout le lobby militaro-industriel américain, c'est-à-dire, et puis la CIA. On a en France des agents de la CIA ou des agents très proches des intérêts américains, Nicolas Tenzer, M. Glucksmann, etc., qui ont table ouverte, M. Raphaël Glucksmann, qui est, paraît-il, candidat du Parti Socialiste, il a eu droit aux 20 heures de TF1, pour expliquer, en gros, ce qu'expliquait Émile Ollivier, le faisant fonction de Premier ministre de Napoléon III, c'est-à-dire que la fleur au fusil ne manquait pas un bouton de guêtre pour aller faire ça. Mais attendez, on est agent des Américains peut-être, enfin on a des agents des Américains peut-être, mais on va encore plus loin que les Américains, parce que les Américains eux-mêmes freinent sur ces questions ukrainiennes. Et puis d'ailleurs, une réaction, c'est que ça m'intéresse vraiment là-dessus, vous avez quand même toujours une analyse intéressante sur ce qui se passe à l'international, après il faut vraiment qu'on parle des listes européennes, il ne nous reste pas tant que ça, mais une réaction quand même sur cette annonce des bases américaines qui se trouvent en Ukraine par le New York Times. Eh bien, c'est la confirmation de ce que personnellement je ne cesse de dire, c'est que la présentation que l'on fait du conflit en Ukraine aux Français est fausse. Celui qui est à l'origine du problème, ce n'est pas la Russie, ce sont les États-Unis d'Amérique et c'est l'OTAN. C'est-à-dire que qu'est-ce que diraient les Français si on apprenait qu'il y avait 10 bases du FSB russe qui étaient autour des frontières françaises? Que diraient les Américains si la Russie avait mis 12 bases des services secrets russes le long du Rio Grande face à l'Arizona ou Texas? Eh bien, ils feraient exactement ce qui s'est passé pendant la crise des missiles de Cuba avec Kennedy. C'est-à-dire qu'il sommerait la Russie de dégager. Donc là, il faut bien comprendre que celui qui est agressé dans l'affaire, c'est la Russie. Elle est dans son droit de grande puissance, de superpuissance, qui estime qu'elle doit avoir un espace de protection et qui a fait l'objet, depuis l'affaire du Maïdan, de politiques d'ailleurs de bombardement du Donbass, etc., de discrimination, et on présente aux Français une vision, un narratif qui ne correspond pas à la réalité. De la même façon que lorsqu'on dit, on présente Poutine comme un nouvel Hitler qui voudrait envahir toute l'Europe l'une après les autres, mais on est dans le fantasme pur. D'abord parce que, comme l'a très bien dit Emmanuel Todd récemment, la Russie est un pays qui est sous-peuplé, donc ils n'ont pas besoin, c'est le plus grand pays du monde. Deuxièmement, s'ils sont intervenus au Donbass et en Crimée, c'est parce qu'ils avaient des populations russes qui étaient martyrisées en définitive, et puis parce qu'ils savaient aussi qu'il y avait cette installation des bases de la CIA et que ça préfigurait une invasion peut-être de l'Ukraine. Donc on est dans l'inversion accusatoire sur cette question. Quand je dis ça, je ne dis pas que le régime de Vladimir Poutine, c'est un régime fabuleux, je dis simplement que la Russie, quand on présente la Russie comme ose le dire Monsieur Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères qui ne sait pas parler français et qui n'a aucune compétence pour être ministre des Affaires étrangères, quand il ose dire que la Russie est agressive, ou c'est également ce qu'a dit Monsieur Le Cornu, mais enfin, c'est incroyable. Qui est-ce qui envoie des armes qui sont des armes, des missiles qui peuvent frapper le territoire russe? François Asselineau, comment vous expliquez que depuis le début de déclenchement de cette guerre, on n'ait pas eu un homme politique, je parle, qui aujourd'hui au Parlement ou ailleurs, et puis au gouvernement, ait pris la parole pour dire attention,
on se trompe d'analyse. Et parce que c'est pestiféré. Nous sommes dans une société qui n'est plus une société démocratique. Nous sommes dans une société d'intimidation générale. Et à partir du moment où vous vous dites, comme il y avait quelques esprits en 1870 qui tiraient la sonnette d'alarme, qui disaient, vous savez que c'est Napoléon III qui avait pris le commandement en chef, il était complètement incompétent. Il y avait des gens qui disaient, mais nous sommes complètement dans un état d'impréparation complet, on ne leur donnait pas la parole. Mmh. Et comment s'appelle-t-il Jaurès, en juillet 14, a été assassiné parce qu'il voulait justement empêcher le déclenchement d'une guerre qui risquait d'être funeste. En France, nous avons, et là, je me permets de le souligner encore, il y a une responsabilité considérable des pseudo-opposants, puisque je rappelle que Madame Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Madame Marion Maréchal, M. Ciotti, M. Mélenchon, M. Faure, etc., le ELV, et tous les pseudo-opposants sont tous pour le narratif de l'Ukraine agressée par la Russie. Jean-Luc Mélenchon, un peu moins. Certains ont tenté au départ d'avoir un autre discours. Rappelons-nous d'Éric Zemmour, ça lui est tombé dessus. Lui, en tout cas, explique la chute de sa notoriété à partir de ce moment-là pendant la campagne pour la présidentielle. Attendez, on a quoi ? On a affaire à des hommes d'État ou on a affaire à des animateurs de télé ? Moi, je me fiche éperdument que les grands médias me boycottent, j'y trouve de même une preuve de la vérité de ce que je dis. C'est que si ce que je disais était sot, si ce que je disais pouvait être facilement contredit, je serais invité comme Madame Sandrine Rousseau, qui fait rigoler tout le monde. Mmh. Je serais invité. Si je suis à ce point boycotté, c'est parce que, comme me l'avait dit un grand journaliste une fois, il m'avait dit, on vous invite pas parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre, parce que vous connaissez vos dossiers, parce que vous savez exactement ce qu'il faut répondre, et on ne sait plus quoi vous répondre. C'est quand même un peu embêtant pour le vote, après. Ah ben oui, alors parlons-en du vote, justement. Alors, vous présentez les élections européennes. D'abord, quel est votre objectif et avec qui vous vous présentez? Alors, on fait une liste qui est la liste qui s'appellera très probablement à Asselineau pour le Frexit, pour la souveraineté nationale et pour la paix. Et pour la paix, parce que ça fait depuis deux ans que je dis il faut arrêter ce système, il faut arrêter d'aller vers la guerre, mais tout en ce moment est en train de nous entraîner vers la guerre, avec notamment ces déclarations insensées de Macron. Vous me permettrez d'ailleurs de souligner que Macron n'a pas d'enfant, oui. Gabriel Attal n'a pas d'enfant. Séjourné n'a pas d'enfant. Alors, je ne connais pas la vie privée de Monsieur Lecornu parce qu'il n'en fait pas étalage comme les trois précédents. Mais enfin, on a quand même affaire à des gens qui sont jeunes et qui sont d'une totale inexpérience pour la plupart d'entre eux. Ouais. Et donc, c'est quand même gravissime. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants, mes petits-enfants soient embarqués dans un truc où il y aurait des millions de morts, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même. Alors, ça, c'est notre liste. Donc, on va insister sur ces aspects. Ça sera une liste de large rassemblement. Mais pas les trucs du style on fait des alliances d'appareils avec un tel rassemblement, ça veut dire quoi? Si vous voulez pas d'alliance d'appareils, ça veut dire en gros pas de Nicolas Dupont-Aignan, pas des patriotes Florian Philippot, pas d'un éventuel Georges Kuzmanovic ou Mais attendez, j'ai créé un parti politique il y a 17 ans pour sortir de l'Union européenne. Bon, normalement les gens qui partageaient cette opinion auraient dû nous rejoindre. Ils ne l'ont pas fait. Non, mais là, si on propose une alliance... Non, monsieur, pour parler de monsieur Philippot, 10 ans après, il a créé un parti politique contre nous, en plagiant 90% et pour essayer de nous tuer. J'ai pas inventé qu'il a été reçu par monsieur. Vous croyez que l'objectif de Florian Philippot, c'était de vous tuer? Oui, absolument. Il a été reçu. J'ai pas inventé qu'il avait été reçu par, comment il s'appelait, Jean-Jacques Bourdin, donc en début 2018, et qui avait dit, mais vous proposez le Frexit, est-ce que vous êtes le seul? Et monsieur Dupont-Aignan, monsieur Philippot a dit oui. Oui, nous sommes les seuls. Mmh. Et il avait joué d'ailleurs sur son hypermédiatisation. Mmh. Alors, ça peut être de la vieille histoire, mais le problème n'est pas là. Oui. Le problème, c'est que vous ne faites pas alliance avec des gens en qui vous n'avez pas confiance. Oui, voilà. C'est certain. Monsieur Dupont-Aignan, il n'a jamais proposé la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il propose maintenant un Bruxit, ce qui ne veut rien dire, absolument rien dire. Mmh. Moi, vous savez ce que je vise. Moi, ce sont les 50% de Français qui s'abstiennent. Parce que pourquoi il y a 50% de Français qui s'abstiennent aux élections européennes? Parce que les Français, ils en ont marre d'avoir des responsables politiques qui ne font pas... Oui, mais pourquoi d'un seul coup, les gens qui s'abstiennent iraient voter pour vous, alors que, comme vous le dites vous-même, on est traités comme des pestiférés, les médias ne parlent pas de vous? D'abord parce que je respecte, et quand je dis moi, je ne suis pas seul à décider, nous avons un bureau politique qui décide. Nous ne ferons pas d'alliance, que ce soit clair et net, avec des gens qui ne veulent pas sortir de l'UE. Voilà. C'est-à-dire l'Union des droits, tout ça. Florian Philippot, par exemple, a dit sortir de l'UE là-dessus.
Oui, mais monsieur Florian Philippot, lorsque monsieur Dupont-Aignan a lancé sa liste, les gars, en juillet de l'année dernière, il s'est tout de suite, il a dit « je soutiens ». Pourquoi monsieur Philippot, d'ailleurs, a dit « je soutiens la liste de Dupont-Aignan qui ne veut pas sortir de l'UE », alors qu'il n'a jamais dit qu'il me soutenait, moi, et qu'il veut essayer d'avoir une alliance? Mais encore une fois, nous n'avons pas confiance dans des gens qui changent de pied et qui sont prêts, d'ailleurs, à faire des alliances avec l'union des droites. Nous, ou avec l'union des gauches. Nous, ça n'est pas le problème de l'union des droites ou de l'union des gauches. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut marquer le point, malgré tout. Donc, mais vous savez, vous allez voir le résultat qu'on va faire. Oui, parce qu'il y a énormément de... Laissez-moi juste finir mon propos sur marquer le point. Je vous écoute, après, on va prendre le temps. Vous dites, je ne vais pas faire des alliances avec n'importe qui. Mais vous-même, vous dites toujours que vous voulez être dans la lignée du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand même, a fait des alliances très, très larges. Ce n'était pas des alliances. C'était les gens qui se rassemblaient dans le cadre du Conseil national de la Résistance, qui est notre modèle, en effet, et qui est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que... Oui, mais Vienne... vous avez l'air de mépriser l'union des droites, mais faut, à un moment donné, il faut bien aller à droite et puis à gauche. Non, parce que ce n'est pas le bon critère. Je n'ai aucun rapport avec M. Bardella ou avec M. Zemmour. Ils sont pour l'Union européenne. Vous avez des rapports avec qui ? J'ai un rapport avec le peuple français. Mmh. Nous allons proposer une liste où il n'y aura pas que des gens de l'UPR. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'UPR, qui viennent de droite, qui viennent de gauche. Les gens que j'ai vus hier, par exemple, au Salon de l'agriculture, qui se contrefichent des alliances d'appareil et qui ont bien compris que ce dont il s'agit maintenant, c'est la survie de la France. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, des gens qui se fichent éperdument des combinations et avec les uns et les autres, nous voulons faire une alliance de tous ceux qui veulent sortir de l'UE pour récupérer notre souveraineté nationale. Oui. Alors, regardez ce qui s'est passé avec... Je sais bien que les sondages veulent rien dire, mais aujourd'hui, on vous prête 0,5%. Il faut percer. Comment vous faites pour percer, pour dépasser ces 0,5%? Alors déjà, nous n'avons pas 0,5%, nous avons 3%. Mmh. Moi, je le sais, j'ai des gens qui sont dans un certain nombre d'instituts, nous sommes délibérément dévalorisés. Oui. Voilà. Vous savez que les sondages actuellement disent, par exemple, que Mme Marie Toussaint, vous savez qui est Mme Marie Toussaint? Non. C'est la tête de liste de EELV. Ah oui. Il y a un sondage Odoxa qui est sorti qui dit, paraît-il, elle grimpe comme M. Glucksmann. Mmh. Elle grimpe, Mme Marie Toussaint? Elle grimpe, vous savez, je suis allé voir, elle a une chaîne de télévision, ça s'appelle Marie Toussaint Officielle. Mm. Elle a sorti 3 vidéos en 3 semaines. Les vidéos, elles ont fait 120, 180 et 200 vues. Vous avez raison. Bon, nous, on fait des millions de vues. Oui. Et on veut nous mais faire croire que nous, c'est on pas serait le à. Vote. Non, mais attendez, on veut nous faire croire que nous, on serait à 0 ou 0,5 alors qu'on a fait 1,2% il y a 5 ans et que depuis lors, on a un formidable engouement pour notre mouvement. Donc, vous avez perdu des voix quand même entre les présidentielles et les européennes. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. J'avais fait 0,93 à la présidentielle et on avait fait 1,2 aux européennes, avec d'ailleurs un système aussi, pour entrer dans les détails, c'est qu'on a une oligarchie qui balance un certain nombre de candidats, de pseudo-candidats dans les pattes. Hein. Voilà, comme par hasard, nous avons des gens qui, d'un seul coup, apparaissent. Je pense par exemple à M. Francis Lalanne, qui n'a pas d'argent, mais qui, tous les 5 ans, d'un seul coup, trouve 800 000 ou 1 million d'euros pour apparaître et pour en fait apparaître. Alors on dit que c'est le candidat des Gilets jaunes, c'est pour nous piquer un certain nombre de voix. Hein. Voilà, je vois de nouveau, il y a M. Francis Lalanne qui réapparaît. Contrôlée, vous dites. Ce sont des gens, mais vous savez, c'est ce qu'ont fait les États-Unis tout le temps. Lorsque De Gaulle, ça n'a pas été une vallée de roses. Hein. Ah, ça, c'est certain. Bon, dans les années, les Américains ne voulaient pas De Gaulle. Ils lui avaient mis dans les pattes l'amiral Darlan. Darlan a été assassiné. Ensuite, ils l'ont mis dans les pattes le général Giraud. Et ensuite, sous la 4e République, il y a eu un certain type qui s'appelait Barachin. Et donc, à chaque fois, on sort des faux opposants pour diviser, pour essayer de morceler l'offre politique. Et moi, ce que je dis ici, si vous me le permettez, c'est je vous permets. Voilà. Je dis que, évidemment, les Français vont voter malheureusement sous hypnose, encore une fois, puisque les grands médias les hypnotisent. Je dis aux Français de bien m'écouter. S'ils votent, par exemple, pour Bardella, si au lieu de faire 23%, il fait 28%, il se passera quoi ? Il se passera que le RN, au lieu d'avoir 22 députés comme en 2019, eh ben, il en aura 28. La belle affaire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Rien. M. Bardella, pendant 5 ans, a brillé par son absence au Parlement européen. Il y a une seule personne au RN qui travaille, c'est Mme Virginie Joron. Les autres ne fichent rien. Bon, et nous... Voilà. Il y a 721 députés européens. La France, elle en a 81, c'est-à-dire 11,25%. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élections, en fait, ne changeront rien, quel que soit le résultat. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas aussi. Attendez, mais si nous avons des députés... C'est-à-dire que si nous, on a plus de 5%... Parce que vous voulez faire quoi à l'Europe, puisque vous n'y croyez pas ? Mais pourquoi est-ce que les européistes se présentent à la présidentielle, puisqu'ils ne croient plus dans la France ? Donc, on se présente à des élections quand elles se présentent.
Nous, je peux vous dire que si on dépasse 5%, si on a 5-6 députés, dont je serai, ben ça va déménager. Vous me connaissez depuis 17 ans. Oui. Bon, moi, ça, vous déménagez. Ben, on va faire du Nigel Farage. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura la parole, on en profitera. Donc, vous voulez faire détruire la Bruxelles de l'intérieur. Ce que l'on veut déjà, c'est imposer des débats qui n'ont pas lieu. Parfois, vous l'utilisez comme argument contre les autres en disant « on ne va pas le faire détruire de l'intérieur, ça ne marche pas comme ça, il faut détruire… » Non, mais je ne vais pas détruire de l'intérieur. Si on a 6 ou 7 députés, on ne détruira rien du tout. En revanche, on fera ce qu'a fait Nigel Farage. Pourquoi les Britanniques sont-ils sortis de l'Union européenne ? Parce que vous avez eu un type qui s'appelle Nigel Farage qui a créé un parti… qui a obtenu des députés au Parlement européen, qui ensuite, à chaque fois qu'il avait la parole, faisait des discours sensationnels. Mais il est devenu quoi, lui ? Ah oui, attendez, qui ont fait, mais ça c'est autre chose, ça c'est le système électoral britannique. Eh bien, il a appris qu'une telle notoriété, son parti a tellement monté que finalement, David Cameron, le Premier ministre conservateur, qui craignait d'être chassé du pouvoir à cause de cette montée, a été obligé de promettre un référendum, pensant que le référendum serait rejeté par les Britanniques, puis il a eu tort. C'est-à-dire que nous sommes blacklistés des grands médias, justement parce que nous n'avons pas de parlementaires. Si demain, imaginons, je fais un rêve, si parmi les 50% de Français qui s'abstiennent, vous en avez 20% qui se disaient « Tiens, je vais aller mettre un bulletin de vote pour l'UPR le 9 juin, plutôt que de rester derrière mon ordinateur ou sur mon canapé. » Je peux vous dire que si à 22h, puisque le vote se termine à 22h, si à 22h02, on apprend que la liste d'Asselineau pour le Frexit, et qu'on n'avait pas vu venir, elle fait 22% des voix, vous avez... D'abord, imaginez la tête... Oui, mais est-ce que vous faites pas là ce que vous reprochez aux autres ? Vous dites que les Français sont dans leurs rêves, dans leurs dogmes, il faut faire de la réelle politique. Mais c'est de la réelle politique. La réelle politique à l'international, c'est pas, est-ce que c'est pas de savoir jouer des alliances parfois avec des gens avec qui on n'aime pas forcément ? Et je vous dis... Vous n'avez pas laissé terminer. Je peux vous dire que si le soir des élections, on faisait un score très inattendu du style 15, 18, 22%, d'abord, imaginez, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais la gueule de vos collègues de Gilles Boulot ou de Pujadas qui, d'un seul coup, sera obligé de dire devant la France entière, ce type qu'on a caché depuis 17 ans, ben, il fait ça, un score. Certain. Bon, ça, c'est certain. Oui. Toute la France rigolerait. Vous avez tout le système de censure qui s'effondrerait dans la minute. C'est ce que souhaitent les Français. Les Français n'en peuvent plus de cette chape de plomb. Oui. Et puis, par ailleurs, ce sera un événement non seulement national, mais européen et même international. Parce que le pays fondateur... Mais qu'est-ce que ça va changer, les 4 députés dont vous parlez, justement ? Ça sera suspect. Déjà, ça fera que nous serons obligés d'être invités dans les grands médias. Nous imposerons le débat qui n'a... en fait. Oui, nous imposerons le débat qui n'a pas lieu en France. En France, tout est fait pour qu'on ne débatte jamais de la sortie de l'UE. Or, c'est un débat qui se développe partout, qui se développe en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Italie, etc. Donc, de toute façon, l'histoire est dans notre sens. De toute façon, ce débat aura lieu. Juste une dernière question. Vous n'avez pas peur que finalement, vous, François Asselineau et d'autres qui se disent souverainistes malgré tout, eh bien, vous fassiez tous des scores en dessous de la possibilité donc de gagner des députés et que ça se termine comme ça l'histoire et que finalement, l'invisibilisation, elle serait là. Mais non, parce que, écoutez, je vois comment actuellement, on a énormément de gens qui nous rejoignent, etc., et qui nous sont très satisfaits de voir que nous tenons toujours la route. Nous ne ferons pas d'alliance avec des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. C'est clair. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Français, de plus en plus, nous rejoignent. C'est parce qu'ils se disent, avec M. Asselineau, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on n'aura pas. Donc, moi, je tiens mes promesses. J'ai créé un parti politique pour rendre aux Français leur souveraineté et leur indépendance nationale. Nous allons faire une liste. Sur cette liste, il y aura un certain nombre de personnes qui ne sont pas à l'UPR. Je pense que vous aurez quelques surprises. Nous allons faire des alliances. C'est quoi les surprises ? Attendez, de toute façon, les listes doivent être soumises elles doivent être déposées entre le 6 et le 17 mai. Dites-nous la couleur de la surprise. Des gens qui viennent de différents horizons et qui se retrouvent, c'est pas forcément des très grandes, mais des gens qui se retrouvent dans cette volonté que les Français se rassemblent provisoirement. La première lettre du nom. Non, vous ne ferez pas dire. Non, mais ils se retrouvent provisoirement au-dessus du clivage droite-gauche, ce que fut le Conseil national de la résistance. Parce que c'est trop grave. Ce qui est en cause en ce moment, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, etc. C'est la disparition, de notre pays. Mmh. Vous misez sur combien alors pour les élections ? Déjà, si on dépasse 3%, nous sommes remboursés. Si on dépasse 5%, nous avons des premiers députés et on a à peu près un député par pourcent. C'est-à-dire, si on fait 7%, on aura 7 députés. Mais vous pensez faire combien ? Ah, oh, ben ça...
On verra bien. Eh bien, affaire à suivre, François Asselineau. Merci infiniment. Je rappelle, candidat, ça on l'a bien compris, aux élections européennes et président de l'UPR, l'Union populaire et républicaine. Merci à vous tous. Record battu total, 5700 auditeurs ici en direct. Et puis, merci aussi d'avoir signé cette pétition. D'ailleurs, je tiens à vous le signaler, nous avons lancé une pétition, François Asselineau, concernant la liberté d'expression, pour défendre notre liberté d'expression. Vous dites être invisibilisé, justement, on parle de ça et on a lancé une pétition pour cela. Donc, merci à vous tous de la relayer et nous avons désormais 6000 signataires de cette pétition. Évidemment, il faut faire beaucoup plus. Je suis comme François Asselineau, j'ai un rêve moi aussi. Merci beaucoup en tout cas, merci. Et merci à vous tous sur Tocsin. Demain, nous recevons Éric Zemmour. Vous voyez, on change de cap. Éric Zemmour au bistrot avec les agriculteurs. C'est une émission spéciale. On vous dira à quelle heure elle sera diffusée. C'est pas exactement le matin, un petit peu plus tard, parce que comme on va boire un petit peu de vin, on fera ça un petit peu plus tard dans la matinée. Allez, à demain.